Et bonjour! Comment ça va? Petite matinale tranquillou. Quelle heure dire 41. On va essayer de stream et de jouer jusqu'à tempête, je pense. Hein. Jusqu'à 13h. Après, je prendrai une pause. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a personne en jeu côté Speedy. Elle dispatch. Il n'y a personne. Poach. Dispatch. Dispatch en PLS? Mais non. Dispatch en PLS. Eh bien, tant pis. De musique. Pas trop forte. Hop. Et du coup, eh ben on est parti. Allez, tranquille. S'il y a des gens. Dans le répondeur. Côté LSP. Oula, il y a personne. Ah, il y a personne. Ok. Là, il y a des messages depuis. C'est le cas. Il y a un message entreprise si besoin d'une réparation ou intervention. Putain, 3h25, mec du Béniz, il était chaud. Rogers à 4h. Et. 10h24, 10h43, 25 minutes, ouais, de toute façon. De toute façon, je vais envoyer un petit message sur l'intra en mode je suis seul en service, est-ce que c'est bon, je peux patrouiller? Ouais, personne quoi. Je vais valider tous les messages hein, mais j'ai bien rangé ma moto, moi. Putain, j'ai des doutes de merde. C'est terrible ce matin. J'étais dans le cul encore. J'ai bien rangé mon véhicule personnel, mes voitures. L'intra qui a l'air un peu cassé ce matin. Ouais, si c'est bon. C'est bon, garage public à l'esprit. Allez, on va prendre le képi. Et puis, bon, par contre, les lunettes, on les met pas.
C'est EMS. Envoyer un message maintenant sur l'intra, comme ça c'est fait. Discussion. La rebase état majeur. Voilà. Petit message sur l'intra, état-major. Bonjour, je suis actuellement seul en service, autorisation de partir patrouiller. Bon, non, il n'y a pas de souci. C'est l'histoire de demander confirmation. On sait jamais. Marwill. Oh putain, il va mettre un truc en mode. Vous êtes officier 2, hein? Vous n'êtes pas seul en service. Ah pardon. Oh putain, l'intra est cassé. Oui. Ah bonjour lieutenant, vous allez bien? Oui, il faut parler à la radio avant. Je veux dire, vous Bah, êtes seul en service. bah j'ai regardé sur le dispatch, du coup j'ai rien vu, je me suis dit, bon, bah y a Ah si, personne. sur le dispatch, je sais pas, mais. Je suis au poste de police, oui. Ah bah merde, putain, bah alors il est cassé Alors, je suis pas au finalement. poste de police, mais. Mais vous êtes là quoi. Je suis là. Bah, vous Ok. partez en Lincoln, par contre. Ouais, ok, ça roule, pas de soucis. Moi je finis de prendre mes. Et je vous laisse faire les calls, mais je suis en train de faire autre chose. Ouais, pas de soucis, ça roule. À Voilà. plus tard. À plus tard. Putain, mais ça me casse les couilles, par contre, j'ai le dispatch cassé en fait. J'ai le dispatch cassé. Et en fait, je vois absolument rien. Donc, forcément, bah, je suis baisé, quoi. Oh là là, coup dur, coup dur. Coup dur. Coup dur, coup dur, coup dur. Coup dur. Cette vigueur. Menottes. Clé. Non, par contre, ouais, j'ai mon intra, il est complètement pété. Mais genre complètement. Non, ça me casse un peu les bonbons parce que. Après, HRP, il se touche le cul parce que. Attends, s'il a validé les messages. Bah, valide les messages au moins, merde, lieutenant, putain.
Il déconne le temps, quoi. Il fait ses trucs en BE, en soum soum, là, et voilà. Bravo. Putain, quel enfer. J'ai toujours mon intra pété, quoi, malheureusement. Parce que... Alors, 3... De une pommade. Là, il a même rien mis dans. Oula! Oh putain, mon intra est complètement pété. Mais complètement. Vraiment, là, je. Je vais juste regarder sur. Discussion HRP. Question peut-être info utile. Ouais, je sais pas, j'ai ouais, j'ai l'intra qui est complètement pété. Donc ça va être casse-couille. Ah putain, quel enfer. Ah non, pas l'intra. Pas l'intranet. Bon, on va laisser comme ça, tant pis. Attends, 12 god, est-ce qu'on a obligation de mettre les gilets? C'est le bâtard. C'est le bâtard. Général. Alors. Alerte de niveau moyen, port du GPV obligatoire. Ok. Et Lincoln 13 était pas en patrouille. 10-4. J'adore sa réponse sur l'intra quand j'ai mis dans discussion. Vous n'êtes pas seul. Ah, c'est bon, accéder. Ah, mais j'ai là. Oh là! Mais j'ai l'intra, il est complètement pété. Mais genre vraiment complètement pété. Hein. Là, j'ai un gros problème sur l'intra là. Ouais, je vais couper la musique parce que. Putain, ça me casse les couilles de pas avoir l'intra là par contre. Ah si, ça y est. Oh, putain, ça a des bugs. C'est bon, dispatch. Dispatch, alors peut-être. Oh, c'est tellement la merde là, ce... putain. Au secours! L'intra il est pété. Bon, bah tant pis. On va faire sans intra ce matin, mais
Putain, il y a un appartement au niveau du coiffeur là, au bord de plage. Putain, il doit être pas mal celui-là. Tranquillement, on va faire les petites supérettes du centre-ville, on va faire Mirror. On va pas aller sur la Grette maintenant, j'ai pas envie. Quoique. Quoique. On va peut-être aller sur la Grette maintenant. Bon, est-ce que mon intra il est plus pété? Ah, ça y est, putain, il a mis 100 ans à charger, quoi. Quel enfer. Ouais. Je sais pas ce qu'il a l'intra, mais c'est compliqué. C'est compliqué ce matin pour lui. Je vais remettre un peu de musique. Maintenant que l'intra est plus pété. Parce que c'était un peu pour ça que j'étais keblo, quoi. La musique. Regarde. Voilà. Non, ça va, j'entends et tout. Ça me gêne pas. Pour centrale 17. Et 10-4, patient TPDP. Il n'y a pas d'ours. Bah, elle est BE donc forcément on va peut-être partir avec lui quoi. Faire un peu de BE matinale. Le chat qui dort comme un caca sur mes jambes, c'est très pratique. Oula, enfin, j'adore quand les véhicules dépop. Tu dis est-ce qu'ils repop ou pas? Tu te les prends sur la gueule.
Je suis pire. Voilà, il va pas vite en monter le. Dû faire le plein, je vais m'arrêter. 27, état 17. Et 10-4, vous partirez en Adam avec 13. Et 10-4. Il y a 13-10-4. J'ai bug du. J'ai full bug là, c'est. Oh putain, Kiwi! Comment tu vas? Yo, ça va? Petit stream du matin. Bah, nickel, écoute, ça va nickel, nickel. Pour une fois, je suis là le matin, donc j'en profite un peu. Moi, je jouis. Jusqu'à Tempête. Puis on va voir comment ça se passe. Bon, ça devrait être chill, hein. Et merci pour le follow, Kiwi. Des bisous. Peut-être à plus tard en jeu, je sais pas à quelle heure tu vas venir, si tu vas plutôt venir en soirée la semaine. Non, je suis pas tout seul là, il y a Polma, il y a Pandours qui vient d'arriver, et il y a 27. 27, je sais même pas si j'ai son numéro, 27. 27, c'est qui 27 déjà 27, ah c'est Oswald, ok, KD. Ça roule. Eh bien écoute, sûrement à tout à l'heure alors. Oui, d'accord. Bon, allô ? Oui, allô, c'est 27. Tu veux savoir où est-ce que vous étiez ? Ben, je suis juste là. Ah, bah nickel, voilà. J'arrive. Attends. Hop. Ouais, nickel. Ça va ? Ah, nickel, et toi ? Bah, ça va. Tu conduis ou tu veux faire la radio ? Oh, peu importe. Ouais, que bon, écoute. Allez, on va partir comme ça pour le moment. Eh ben, ah, c'est j'ai parti, vu alors. Que. D'Adam 27, début de patrouille. 10-4. J'ai vu que le lieutenant il était en BE là donc. Ouais, j'ai vu 51 avec. Ouais, ouais. Oh, bah c'est ça, ils partent tous les deux. Je me doutais qu'ils allaient partir tous les deux. Tac. Alors attends. Juste. Alors. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait que t'étais passé officier. Hein. Alors attends, bah, je vais changer ça dans mon répertoire. T'es passé quand, officier ? C'était vendredi, je crois. Oui. Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Bref, ça va, ça se passe bien ? Bah nickel, oui, nickel. Ouais. Je crois pas qu'on soit trop vu donc. Bon, on a fait une patrouille ensemble, je crois. Ouais, peut-être au début où t'es arrivé, ouais. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était le lendemain où je suis arrivé, en effet.
Ouais. Mais ouais, sinon ça se passe bien. Bon, Et tant toi de ton mieux. côté, du coup? Bon, ça va. Ça va, nickel. Quel alors? J'étais un peu moins présent, mais la dernière fois où je suis venu, je me suis fait tirer dessus 3 fois d'affilée, donc Ouais, j'avais pris c'est un peu de repos, compréhensible. j'en avais un peu marre. Et bah... Je pense, oui, c'est important parfois le repos. Oui. Ouais. Ça peut éviter ce genre de choses. Personnalité au-dessus, on va voir s'il y a toujours le Beniz. Visiter à la supérette à côté du PDP de Vespucci, on va aller voir. Ça marche. As-tu un mégaphone des Hertz ou pas? Non, ni l'un ni l'autre. Ok. Bon, le matin, je pense pas qu'on risque d'en avoir l'utilité, mais. Normalement, ça devrait avaler. Après, au pire, on ira faire un refuel au PDP et Ouais, ça marche. on en récupère. Hop. Adam 27 10 48 en 80 92. La 10-4. Et bonjour, c'est Et bonjour Vespidi. Ginette. Et Et bonjour messieurs bonjour. dames. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Et Ah bah vous? nickel, nickel. Ça se passe? Hey, ça se passe Ouais, pas. ça se passe bien. Oui. Ça Bah roule. nickel ça. Vous avez Vous du matin, tout se passe bien. avez pour... Bah il faut. Hein. Vous avez pour combien de temps à peu près? Oula. Alors ici, je dirais moins de 5 minutes, même pas. Ouais, ça roule. 2-3 minutes à mon avis maxi. Ok. Et après, on est où là déjà? 80-92. C'est fait. On va remonter juste au-dessus sur Prosperity 61-69. Space. Ouais. Ouais, celle de Prosperity, ouais, ça roule. Ok, ça marche. Ça m'en sort. Eh bien écoutez, on va vous laisser bosser tranquille et puis on repassera quand vous serez à l'autre. Et puis si jamais vous Yes. avez un souci, n'hésitez pas, on est là. Ça roule? Pas de Ça soucis. marche. Allez, Merci à vous. nickel. Eh Allez, bien, bonne bonne journée, matinée, à merci plus d'avoir tard. courage. Merci. Adam 27, Claude 4 sur dernier 10 48. 10-4. Donc Giselle. Du jeu où ils vont à celle de. Alors, attends, je dis Prosperity, mais c'est William Prosperity? Oui, c'est ça, c'est Prosperity, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, peut-être à 56. Ouais, je pense. On va passer dans celle de Prosperity, on va voir. Personne. Personne. Non, mais attends, je suis arrivé en. Alors, quand je suis arrivé au PDP, alors j'avais mon intra qui était tout pété, donc Bah. je voyais pas le dispatch. Bah Je oui, vois. c'est ce que j'étais en train de regarder, le dispatch est pété, je crois. Ah, bah toi aussi. Ok, bon, ça c'est pas que Bah moi. il. Mais en fait, j'ai mis peut-être 10 minutes à y accéder, et en fait, entre-temps, bah du coup, j'ai mis un message en mode. Bah, je suis tout seul, je regardais, il y avait les messages, aucun message validé depuis. Depuis 2 heures du mat et il y en avait à 10h30, tu vois, etc. Je suis là, bon, bah, je suis tout seul. J'ai même message sur l'intra, j'ai le lieutenant Polmar qui me répond, vous n'êtes pas seul en service. Du coup, je l'appelle et en fait, il était en BE, quoi. Ah, d'accord. Il me fait, alors je suis marqué au poste, mais je suis pas au poste. Je suis là, ok, très bien. Attends, lui va tourner, c'était sûr. T'as passé quoi comme formation du coup? Bah, j'ai fait la 4-3, j'ai fait la conduite. Ouais. J'allais faire la 10-31, mais du coup, bah, Balbo a démissionné entre-temps.
Ouais, merde. Bon, après, il n'y a pas que lui qui peut. Il y a du monde Bah qui peut te la oui. faire, ouais. Mais ouais, malheureusement, et Balbo. Oh bah y a les procs. Proc ou. Ouais, je sais pas. Attends, je. Pas la gêner. Hop. Oh, non, ça devrait aller. Pas de 27, 10, 48, 56. 10, 4. Bonjour Gilet. Et bonjour, c'est Espy. Et bonjour. Et bonjour. Allez, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Salut, monsieur Dan. Ça va et ça vous? vous? Bon, bah, nickel. Ça se passe bien. Ah ouais, ça se passe bien. Ouais. Et vous? C'est sur ma table parce que bon, vous avez nickel. un petit cours de magie. Oui, mais vous verrez si vous restez assez longtemps pour le voir, ça devrait aller. Ça, bien. Ouais, ça c'est une illusion d'optique. Oui, c'est ça. Ouais, ok, ça marche. C'est les filtres de la lumière artificielle. Aïe, et puis c'est un peu aïe, obscur ici, donc oui. Ça roule. Vous en avez pour combien de temps ici à peu près dans la supérette? 20 minutes, je pense. Ouais, ok, ça roule. Vous êtes toute seule du Weasel à bosser là? Non, on est trois. Et je sais pas par contre où est-ce qu'ils partent. Ouais, pas de soucis, de bah, toute façon on patrouille un peu partout, donc on ira. Mais tirer. Là, j'ai juste d'arriver, je vois ça, même je pas vois encore ça. le temps de faire le call. C'est bien, vous patrouillez partout, c'est bien. Bah, il faut, hein. Pathétique, ouais, hein. Je sais, je sais, oui, mais merci. Hein, mais... Vous aussi, vous patrouillez du coup, monsieur le procureur? Non, je patrouille pas, non. Ah, d'accord. Ah, bah, d'accord. Vous avez peut-être dérangé du coup. C'est possible, ouais. Ah, bon, mais en soi, vous faites votre boulot, donc bah, c'est côté, ça. Ça me dérange pas. Donc faites votre boulot et faites il vaut comme mieux si que j'étais ce pas soit là. Pour ça, quoi. Mmh. Et bien, ça roule. Et bien, de toute façon, pour vous déranger plus longtemps, nous on va repartir en patrouille tranquille. Vous inquiétez si pas, si j'ai besoin de collègues. Vous, je vous appelle. Et bien, ça roule, pas de soucis. Et bien, à bon. Plus tard, écoutez, bonne journée. Bonne, bonne journée, journée. Bon courage. Merci à vous aussi. Et faites gaffe, messieurs. Hein. Ouais, à vous aussi. Je crois qu'il a pécho. Et à ta 27, le 4 sur la 10, 48. 10, 4. Non, je crois pas parce que je le connais, j'ai bossé au taxi avec lui et il est marié donc. Ah oui? Oui. Ah bah écoute, c'est pas parce que on est marié que voilà quoi. C'est peut-être juste quelqu'un qui connaît, bah, tout de suite oui, les grands mots, il va pécho, tu vois. Ah bah c'est possible, c'est possible. Je sais pas, j'ai demandé si on dérangeait, apparemment on débranchait, donc. Non mais peut-être c'est une discussion boulot aussi, tu vois. Surtout s'il a la. Comment dire, oui, s'il a la révolteur proc. Enfin, on évite de faire ça de faire dans une séparée publique, quoi. Si c'est une discussion boulot, enfin après, je veux pas lui apprendre ce travail, mais c'est pas très discret, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais, moi, quand je suis arrivé sur l'île, il était au taxi. On a bossé tous les deux au taxi. D'accord. Alors attends, on avait SHMS. Hein. Bah, à la ouais, limite, 537. Tu... Départ en livraison. Ouais. J'ai pris comme ça. Ouais, vas-y. Départ en livraison, c'est que d'ici. Allez. De toute façon, on va les récupérer. 18, il devrait arriver. Ouais, le message a été mis à 12, donc. Au pire, on va les refuel au PDP, comme ça, on va récupérer une RC. Oui. Il. Et un mégaphone. Et puis, on va les. D'accord, le. Ah ouais, tu... d'accord, Kiwi. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Bah, c'est marrant. Croisé Balthazar. Mais ouais, bah, Balthazar, quand je suis arrivé sur l'île, du coup, il bossait au taxi. Donc, moi, je l'ai rencontré au taxi. Ah bah, c'est bon, j'ai le dispatch qui est revenu. Ok, nickel. Et après, je crois qu'il s'était présenté à je sais plus quelle élection. Bah, je crois. Non, c'était pas les élections du gouvernement. Il avait fait une demande pour une entreprise. Pour un je sais plus quelle entreprise. Bah, c'était la ferme, je crois. Il avait fait une demande de dossier à la ferme. Et ça n'avait pas été pris. Et du coup, il était un peu deg. Mais ouais, c'est marrant. Hein. Je trouve qu'il est bien en proc. Avec Bishop aussi, c'est du lourd. C'est des bons procs.
Vas-y, tu peux aller récupérer la C'est RC, le temps que je fasse le plein. Je vais peut-être pas mettre de musique vu qu'on a... Non, mais j'ai... Allez, reparti. Allez, nickel. Ah, mais du coup, on va aller. On va aller en 50-37. Et là, c'est parti. J'ai un petit problème, il semblerait, j'arrive pas à prendre le. C'est normal, c'est parce qu'il y a pas le, il y a pas le zip en fait. En fait, c'est quand ils, j'ai pas fait gaffe. Le SHMS, c'est quand ils partent du dépôt en fait, ils le mettent avant d'arriver et du coup bah ils mettent pas la position, tu vois. C'est vrai, exact. Bébé, rabats-toi sur ma gueule. Heureusement, je l'ai vu faire, mais et en plus il s'est remis sur la voie de droite quoi. Non, mais quel enfer. Ils savent pas quoi dire ici, c'est ouf. Ça roule, Kiwi. Bah écoute, merci d'être passé, merci pour le follow. Et puis bah, du coup, à tout à l'heure. Après, tu vas pas te spoil de grand chose, à mon avis. Sauf s'il m'arrive encore une dingue le matin où je me fais rafale, gratos, par les Aztecas apparemment. Hein? Clin d'œil, clin d'œil. Mais sinon, normalement, ça devrait aller jusqu'à 13h, je pense. Mais sinon, allez, bonne matinée et à plus tard. Du coup, ça fait combien de temps là, Théo et les Speedy? Bah, ça va faire bientôt 2 semaines du coup. Ils Vu que vendredi dernier, ça faisait 1 semaine. Ouais, ils t'ont passé direct officier après 1 semaine ou ils ont attendu ça, un ouais. peu plus? Ouais, ok, ça roule. C'est ça. Et puis, Lieutenant Walker m'a fait une petite blague, elle m'a dit que je passerai pas avant le 1er avril. Ouais. Elle m'a dit ça du coup, bah vendredi. Et suite à un 10-19, bah du coup, bah on m'a annoncé que je passais officier. Ouais, nickel. Nickel. Ils sont là. Yes. Madame 27, 10 48 en 50 37. 10 4. Bonjour Ginette. Comment ça va? Et bonjour messieurs. Bonjour messieurs, on sort pas les portables, vous inquiétez pas. Ah bah nickel. Ouais, nickel, comme ça c'est bon pour avoir Guy Ginette. C'est lui le déconneur. Ah comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Bah nickel. C'est bah mercredi matin. On est mercredi aujourd'hui. Ouais c'est ça. C'est ça, ça oui. Hey.
Ça aurait été rigolo que on soit vendredi et que vous dites quand même mercredi matin, du coup. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. D'abord, j'en suis pas encore là, ça va. Bon, tout se passe bien pour vous, le travail? Ça se passe, en effet. Ça devait vous embêter? Absolument pas. Bon, bah c'est nickel, alors. C'est parfait, ça. Au boulot, l'ambiance est plutôt sympathique. Oui, d'accord. Ouais. Les jokers. Ouais. Ouais, d'accord. Bah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas spécialement nous. Excusez-moi, je suis un tout petit peu dans ma tête, pardon. Ouais. Je vous entends, mais excusez-moi. Ouais, y a pas de problème. Voilà. Je vais pas pouvoir répondre directement à chaque fois, mais je vous entends et oui, l'ambiance est pas trop mal au boulot. D'accord. On a des primes pour les gens comme lui, vous inquiétez pas. Ouais, d'accord. Bon, c'est le principal. Oui, c'est vrai. Facile. Je suis un super vendeur, c'est pour ça. Ouais. Ah, bah ça. Non, mais oui, l'ambiance, non, pas pire que les autres entreprises. Je sais pas, j'imagine que vous en voyez aussi pas mal dans les supérettes. Oh, bah, il y a tout le monde qui recrute, apparemment. Il y a un peu moins de présence ces temps-ci, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'annonces qui passent pour différentes entreprises. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Non, il y a 4-5 places par entreprise, hein, même chez vous. Nous, on n'est pas spécialement à fond sur la politique de comment ça s'appelle. On n'est pas agressif dans le recrutement. Ouais, dans le recrutement, on fait. Vous n'avez pas besoin publicité. D'être full, etc. en plus. Donc, Oui, on fait pas de publicité par rapport à ça, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, alors nous, on a de la place, c'est pas surtout on a augmenté la possibilité d'effectif. Donc c'est aussi pour ça que ça recrute, quoi. Qu'avant c'était un peu moins et là c'est un peu plus, donc ouais, forcément. Il n'y a pas forcément de départ, mais il y a possibilité de plus d'arrivée aussi, quoi. Donc d'avoir plus d'agents en même temps. Donc c'est cool aussi, quoi. Oui, c'est sûr. Si on est plus tranquille, bon, je vote pour. Hein. Bah, ouais. Par contre, est-ce qu'il y a une augmentation d'impôts on avec on peut voter pour ça? C'est-à-dire. On peut voter pour ça? Alors ça j'en sais rien. Vous savez, c'est pas nous. Vous savez, nous on est qu'officier, c'est pas dans. Comment dire? On sait qu'il y a des augmentations d'effectifs, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas le pourquoi du comment, et etc. quoi. Après, ça date déjà d'un petit moment. Je sais que ça fait un moment qu'on a régulièrement des annonces à l'ESPID qui recrutent, parce qu'on a la possibilité dans les effectifs. Quoi. Ok. Pardon, ouais. Une planche. Ouais. Vous en avez pour combien de temps à peu près? Ah, forcément, le collègue. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Vous inquiétez pas. Un quart d'heure, je pense, ouais. Ça roule. Excusez-moi. Allez-y. Bah, écoutez, de toute façon, on va vous laisser bosser tranquille. Ah, bah, c'est. Vous inquiétez pas, c'est très agréable aussi comme ça. Et si jamais vous avez. On préfère voir de vous que d'autres véhicules de suspects qui se gardent devant la supérette. Oui, bah, on imagine. On imagine. Il y a les brasseurs. Ah bah écoutez, vous allez pas être tout seul du coup. Ouais, ils sont gentils, ça va. Oui, oh là là. J'aime bien leur logo. Oui. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et bon courage, messieurs. Merci, au revoir. Et de Adam 27, code 4 sur le dernier Discord. Ah d'ailleurs, je sais pas si on n'est pas full encore en effectif. Je crois que maintenant on peut aller jusqu'à 50. Alors, si on se 70-93. Adam 27, on raccroche sur le dernier 10-45 km. Et 10-4. C'est lequel C'est Clinton, non? Ouais, c'est Clinton, c'est ça. Allez, le petit discard du matin, là, on est chaud là. Ah ouais, c'est chaud patate. Un petit peu malade ce matin, mais chaud patate quand même. Ouais, ça s'entend un peu, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis un peu au bout de ma vie là. Allez, ça va aller, toi, se passer. Après, si tu veux conduire plutôt que la radio, parce que c'est peut-être ça te fatigue un peu la voix ou quoi, tu me dis. Peu importe, hein. Écoute, peu importe. Moi, je prends ce que tu ne préfères pas. Moi je m'en fous, moi. Oh, c'est pareil.
Et je prépare le mégaphone. Allez. On a bien fait d'aller le chercher. Aïe. J'ai eu peur, j'ai vu le taxi sortir, je me suis dit putain il va pas nous voir. Il va faire un demi-tour. Et qu'est-ce que c'est? Une Banshee. Oui, c'est comme voiture. La date 27, 1330, 1040, une Banshee noire décapotable avec un individu, casquette rouge dedans, torse nu. On commence à 1031. 70-97, direction est. Au sud, 72-85. Est, direction les taxis. Continue est, direction Mirror Park Nord. Sud, direction Mirror Park Sud. Arrêtez-vous monsieur, on s'arrête s'il vous plaît. Ah, désolé pour les tapos. Non mais t'inquiète. Alors bon, le s'il vous plaît, par contre, je pense que vu comment il s'est barré, Oui, voilà. J'ai en direction sud, 93-41. On s'arrête. Direction ouest, 93-05. Il va pas vouloir s'arrêter, le bougre. Ça prend d'or, 92-24. On prend ouest, 92-32. Arrêtez-vous, monsieur. On s'arrête tout de suite. Ça passe devant le quartier STK, 90-63. Direction ouest. Par direction d'or, place des cubes. Après ouest, direction les échangeurs G6. Hey, on s'arrête, monsieur. On repart sud de 80-57. Peut-être qu'un jour il va s'arrêter en 10 heures. Bon, ça je suis pas pour le moment, ça a pas l'air. Il a pas l'air chaud. Ça prend sur les échangeurs sur la Puerta Freeway. Direction d'or. Mais... On passe sur l'Olympic Freeway, direction est. S'il a pris la la Freeway, ça sent la voiture volée, qu'est-ce que tu veux que... Ah bah oui, mais il va pas si vite que ça en plus, ça. Bah non, c'est une... mais c'est 100%, c'est une voiture volée, donc elle est stock, quoi. Allez, arrêtez-vous, monsieur. Toujours sur l'Olympic Freeway, 80-80, direction est. Sur la Palomino Freeway, direction d'or, 93-91.
Avec un peu de chance, il va tomber en panne d'essence bientôt. Bon, après, on est mis de fuel aussi, donc j'espère que. Ouais, c'est pas faux. J'espère qu'il a pas fait le plein avant nous, parce que sinon, on est baisé. Oh non! Il passe devant la super épée de vidéo. Il est où? Il a continué. Tout droit. Donc, je vois. Je me suis dit, peut-être qu'il va faire demi-tour, il va nous faire un. Bon, je vois direction dehors. Il passe par le point vert, toujours direction dehors. SPD sur commune en 10-31 en cours dans votre direction point C, direction nord. Dans une banshee noire. Le vaisseau sur commune actuellement indisponible aujourd'hui. SPD disquette. Va passer par le point E, toujours direction dehors. Et on s'arrête, monsieur. Ça va le faire. Point G, 20-50, toujours direction dehors. Allez, on s'arrête. Je mets de la pression un peu. Et ça fait demi-tour à contre-sens, direction sud, 20-43. Arrêtez-vous, monsieur. Mais arrêtez-vous, on discute. Mais j'ai pas envie de discuter. Ah bah oui, bah là c'est trop tard, là faut discuter là monsieur. Si je discute, vous allez mettre une amende. Ah bah oui, mais ça c'est sûr. Mais plus vous attendrez, plus elle sera haute l'amende. Hein. C'est pas une discussion du coup. Ah bah si, ça vous arrêtez maintenant, on discute du coup, bah on verra pour l'amende. Du bon temps, ça vous continuez dans ces cas-là, bah oui, la bande va être chère, oui. Oui, alors vous avez pas de dégâts, donc nous on vous entend pas. Bon, quand vous dites on verra, c'est-à-dire. Et ça veut dire quoi qu'il arrive, il y aura une amende, mais elle sera plus ou moins haute, suivant combien de temps vous nous faites tourner en bourrique. Ah oui. Ouais, mais si on fait le tour de l'île. Mais ça va peut-être temps de s'arrêter là, du coup, monsieur. Ouais, mais vous voyez du paysage, non? Oui, alors. Mais c'est pas fou. C'est pas de raison, on s'arrête. Est-ce que vous connaissez le nord? Je vous fais visiter si vous voulez. Oui, donc. Sans passion, allez, on s'arrête, s'il vous plaît, monsieur. Ah, bon. Je commence à perdre passion. Il y a du 39 quand même, la dame en service. Madame 27. Toujours à 1031, direction sud 4002. Merci Abraham pour le follow. Merci Guy, des bisous. C'est le 1031 le plus ridicule. Dans le chinois noir. Et capotable. Attends, on s'arrête, on sort de l'écran. 17, il refait demi-tour direction d'or. Point C. Allez, monsieur, soyez indulgent. On s'arrête tout de suite. Vous mettez votre vie en danger en plus. Pas très malin. Et puis David. Des autres usagers aussi sur la route. Alors arrêtez-vous. 10-20. Actuellement 30-50, toujours direction nord, point E. FPC disponible si traite du 10-31. Point E, direction nord, 30-51. Passe devant le U2 là. Et 10-4. Enfin, du bureau, je me mets en route. Disquette. On va arriver point F, toujours direction nord, 30-52. Votre banshee noire décapotable. Allô, on s'arrête, monsieur. Mais
tombera pas d'essence avant nous, hein. Nous, on est encore bien. Ça, c'est le bluff, ça. Toujours direction nord. 10-4, 20-54, direction nord. C'est reçu, j'essaie de me diriger vers le point I. Disquette, il fait demi-tour pour H, direction ouest, 20-0-0. Ouais, dans Grapside. Dans Grapside. 20-26, toujours direction ouest. On va arriver à l'airfield de Grapside. 20-29. On plonge l'airfield de Grapside, 20-30, direction ouest. 18 direction ouest. 24 direction nord. Passe devant la supérette de Grapside. 20-08 direction nord. 10-4, je me mets au niveau du point H. 10-4. Et de 06, répétez les personnes qui ont pris un 17. 20-03 direction 39. Nord. 10-4, porteur en Lincoln. On arrive à 20-00 direction ouest. Allez, 10-4, je suis au niveau du point H, je bloque la route. Allez, arrêtez-vous, monsieur. On va arriver sur vous, point H. Vous êtes donc comme 39, je suis au point G. Allez, on s'arrête maintenant, monsieur. Je crois que BCSO, il en aura le cul. Oh là. Allez, monsieur, on s'arrête là, ça commence à devenir dangereux. Autorisation de tirer dans les pneus, hein. Véhicule m'a pite volontiers contre la barrière. USBD disquette. Bon, on continue direction point I, direction d'or. Parce que du coup, le BCSO a l'autorisation de nous donner. Bah, on est dans leur jeu. On est dans leur juridiction, donc. Donc, oui. Et ça marche. On va arriver point F, point J, pardon, direction nord, en 10-0-0. Commence à être low niveau carburant. 10-0-3, direction ouest. Arrêtez-vous, monsieur, je fais une première sommation. Si vous arrêtez pas, on va tirer dans les pneus. Monsieur, arrêtez-vous. Seconde sommation, à la troisième, je commence à tirer dans les pneus. Sommation faite. L'individu ne s'arrête pas. 10-05 direction ouest. L'individu commence à ralentir. Allez, maintenant on s'arrête, monsieur. La deux Adam qui arrive sur pause. Allez, ouais, mettez-vous sur le côté, monsieur. Pas le côté. J'hésite. 10-04, individu roule pas. Toujours direction ouest. Allez, monsieur, on s'arrête là. Ça commence à devenir dangereux. Pour votre sécurité, pour la doute et pour cette décision, on se fait sur le bas côté, on descend du véhicule, les mains en l'air. En même temps, je veux pas dire, c'est votre collègue qui sait pas conduire. Allez, monsieur, on sort du véhicule. Putain, y'en a trois pour. Tu as d'abord 7 1048 en 10-06. Répétez zip. Votre collègue, il sait pas 10-06. Allez, monsieur, on se retourne, s'il vous plaît. Je vais vous passer le velote, on va y aller tout doucement. Il a eu du mal, hein. La dame 27, 10-26 de l'individu en 10-06. Bon, il va bien, okay, le shérif, quand même, parce que je crois qu'il a eu un petit accident. Non, mais écoutez, ça a l'air d'aller. Bon. Ouais. J'aurais pu vous arrêter un peu plus tôt, quand même. Hein. Mais vous avez une carte d'identité. Oui. Parce que oui. Disons que j'essaie d'apprendre à conduire la Banshee, vous voyez. Vous confirmez. C'est pas facile, la Banshee. 70-06. 10-06. Ok, monsieur Lo, mal sa vie. Un véhicule volé. Dites-moi. Et alors, un instant. Hop, je vais vous fouiller. Est-ce que vous avez des choses qui pourraient me blesser du coup pendant la fouille? Alors, vous blessez pendant la fouille, non? Non, d'accord. Elle est en pistolet paralysant pour américain. D'accord, vous avez braqué la supérette avec quoi? Pour américain, bah vous m'avez mis sortir avec, non? Enfin, peut-être pas, vous me direz, il était sur moi. Et 27 sacs d'argent. Très bien. Et de 06, vous avez prévenu sur la commune que vous étiez dans la juridiction BCSO?
C'est 10-4. Et du coup, monsieur, est-ce que vous souhaitez payer accumulatif du coup pour donner de fuite et braquage récupéré? Non, je vais. Non. Très bien. Eh bien écoutez, monsieur Lohan, vous êtes actuellement en train d'installation du coup pour donner de fuite et braquage de cyberette. À côté de 11h42, vous avez le droit de garder le silence. Si vous ne et pour information, je ne suis pas sur la commune. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Je comprends. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous diriez pourrait être et serait utilisé contre vous. Est-ce que vous avez compris vos droits? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez besoin de voir un médecin? Non, un petit pansement, je dis pas non. D'accord. Est-ce que vous avez besoin de manger ou boire? Alors, même si j'ai besoin, je suis menotté, ça va être chaud. Non, mais je vous démenote dans ces cas-là. Mais est-ce que vous en avez besoin? Non, pas tout de suite, c'est vrai. D'accord. Est-ce que. Bah, écoutez, vous vous ferez passer du coup un appel si vous voudrez une fois arrivé au PDP. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Alors, on va au quel? On va à Poletto ou on va. Eh ben écoutez, je vais les voir du coup avec. Avec le lieutenant. Allez-y, amenez-le au bureau de Poletto, comme ça on est à côté. Ouais, ça marche. C'est parfait. Eh ben c'est parti. Allez, je vais faire rentrer dans la voiture. Allez, c'est la première fois que j'y vais, je suis content. La porte. Que j'y vais en cellule. J'entends. C'est pas votre véhicule là, je suppose. Non, c'est pas mon véhicule. Non, il est voulu, j'ai contrôlé. Ouais, faut que tu montes, ouais. Compliqué, ouais. Allez-y, je vais vous passer la petite ceinture. Hop. Et voilà, monsieur. Nickel. En parlant de ceinture, je l'avais même pas au début de la CP. Ouais, super. Nickel. J'aurais pu vous tuer en plus. Ah bah oui. Enfin, je veux pas dire, c'est quand même votre collègue shérif là, il était un peu dangereux au début, non? Bah, vous l'étiez un petit peu aussi, monsieur, vous avez quand même fait des contresens. Hein. Oui, mais vous avez remarqué, je n'ai rentré dans personne. Alors que lui, il m'est direct rentré dedans. C'est un petit moment qu'on était derrière. Mais c'est pour ça aussi, c'est un moment en fait quand la, comment dire, quand la course poursuite dure un peu trop longtemps, on est obligé d'essayer de vous intercepter quoi. Ah, quand t'as duré un peu trop longtemps. Sur des non, parce que vos collègues chéris ce matin, ouais. Vers 10h30. Ah, ils m'ont pris en CP, ils m'ont pique direct. Comment ça, c'est-à-dire? Ah bah, c'est-à-dire que bon, je passe un peu vite à côté d'eux, ils me prennent en course poursuite, 30 secondes plus tard, j'étais pite sur le bas-côté. Et vous êtes fait arrêter ou pas? Ah non, je me suis pas fait arrêter, j'ai réussi à m'échapper dans la montagne, mais Ah d'accord. Non. Attends, c'était pas pour un... Je vais les refuel. Hop, oui, parce que moi j'avais encore de l'essence. Hein. Ah bah nous, ouais, on commençait à être low là. Bah ouais. Ah oui. Ouais, t'es pas bien. Nous. Sauf que comme j'ai vu les deux autres voitures derrière, je me suis dit bon, ça sert à rien. Dis-donc, vous avez eu une course poursuite ce matin ou on vous a semé dans les montagnes? Ouais. Bon bah, apparemment c'est monsieur. Coucou, c'était moi, mais pourquoi vous avez pit? Ah, j'ai pas pit, j'ai essayé de décaler votre véhicule dans un arbre, c'est pas pareil. Ah oui. Un pit, c'est j'arrive de pleine vitesse et je vous envoie valdinguer. Là, je vous ai accompagné vers l'arbre, ouais. Mais vous avez pas pris l'arbre. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Après, c'est la manière dans laquelle je l'ai fait, c'était un décalage. Après, c'est un peu compliqué en fonction de certains points. Ouais. Bah, mettez-vous vers là-bas, comme ça, au moins, vous mettez devant la porte. Ça roule. Vous descendez, monsieur. Alors, on va dire que c'était un décalage, ouais. M'étonnez-vous. J'ai failli me renverser. Hop, allez, on est bon. Ah, j'attends que vous m'ouvriez, hein, parce que là, c'est un peu con. Elle. Allez. Pourquoi ça vous a secoué le truc de tout à l'heure? J'ai failli me retourner quoi. Ah bah après moi j'essaie de vous accompagner pour que vous fautiez. Mon objectif c'est que vous faites une faute. Ouais, enfin entre accompagner et littéralement toucher le véhicule dans un arbre, c'est compliqué quoi. Bah en fait accompagner, alors il faut savoir, après les mises en pratique sont différentes en fonction de là où vous êtes. Au BCSO, quand on fait une course poursuite, on a le droit de faire en sorte à s'approcher du véhicule pour essayer de le décaler pour qu'il fasse une faute. Oui, mais que je décale de moi-même, pas que vous poussiez la voiture. Ah bah, et à un moment donné, si vous vous décalez vers moi, c'est compliqué aussi. Je me suis pas décalé vers vous. Ah si, l'arbre il est arrivé, vous avez dû vous décaler vers moi, c'était obligé. Hein. Bah après, bon bref, vous avez triché, vous avez pris... C'est rigolo parce que je regardais ce matin en live et je l'ai vu la course poursuite. Donc j'ai voulu partir. Après j'ai l'info en RP. Parce que je sais pas si vous avez Après la deuxième poussette du coup. Après la deuxième poussette, oui bah je me suis dit à la troisième je suis peut-être mort, du coup je vais peut-être partir. Bah la troisième je pense que j'aurais pas fait de la même manière. D'accord, c'était vous qui tourniez ce matin? Mais en fait je vois même pas pourquoi vous m'aviez pris en chasse.
Mais parce qu'en fait, vous rouliez sur la route 68 oui. avec une assez forte vitesse. Donc à un moment, je voulais juste vous faire un rappel à l'ordre. Et bah très sauf qu'en fait, au moment où j'ai mis les gyros et la sirène, bah, vous n'êtes jamais arrêté. Donc à un moment donné... Oui, mais sauf que vous aviez déjà les gyros. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est tranquille. Oui, parce que j'étais en train de partir sur une intervention. Et du coup, et vous après... êtes venu vers moi pour un rappel à l'ordre. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une intervention. Après, je me suis dit, merde, ça fait quand même 10 minutes que c'est passé. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien, j'arrête. Et en fait, au moment où j'allais éteindre les gyros, vous êtes passé dans l'autre sens à toute vitesse. Franchement, oui. toi, t'as pas de chance. Mais oui, mais en même temps, moi, j'ai vu vos gyros, j'ai fait passer bon, j'ai pas besoin de ralentir. Mais dans quel contexte on se pose cette question? Dans quel contexte on voit des gyros, on se dit, je vais accélérer. Mais non, je vois des gyros, je me dis, c'est bon, c'est pas pour moi. Ah, d'accord. Voyez et donc, du coup, vous avez quand même continué à rouler comme un dingue. J'ai pas roulé comme un dingue, j'étais à quoi, à 130? Bah oui, mais 130 sur une route à 90. Mais je venais de sortir de l'autoroute aussi, j'ai une excuse. Bon, ouais, alors, il faut ralentir pour sortir de l'autoroute, là. Continuons la procédure, on va aller par là. Allez, c'est parti. Parce que sinon, ça va être compliqué, oui. Je sortais de l'autoroute, quoi. Bah, non, mais l'autoroute, ça faisait un moment, hein. Non, par là. Vas-y, venez. Par là. Venez. Ah, monsieur, par ici. Oui, mais je suis jamais allé. Enfin, si, je suis allé une fois dans les cellules ici, c'était pour la visite, du coup. Ah bah là, vous savez, c'est bien. Côté, du coup. Vous faites une contre-visite, quoi. C'est ça. Mais je viens ici tous les jours, mais c'est pas pour moi, alors bon. Ouais, monsieur, est-ce que vous arrivez à accéder à ce casier judiciaire? Je vais non, c'est ouais, c'est un peu cassé, ouais. Ça roule. C'est cassé? Ah mince, c'est quoi? Non, vous inquiétez pas, ça sera noté sur un petit bout de papier à côté. Alors, je peux vous aider, je voulais juste poursuivre la procédure. Et après, vous me dites la personne dont je l'amènerai pour se changer. Mais comme ça, moi, je vous laisse gérer tout ça. Oh, c'est comme ça. Bah non. Alors, moi, j'arrive donc, à accéder aux procédures. C'est quoi le nom de monsieur? Loman, L-O-H-M-N. Oui, Loman, pardon. L-O-H-M-N. Ouais. Loman Sami, c'est ça? C'est ça. Alors... Ah oui, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, ouais moi aussi. Eh merde. Non, je m'en fous, je suis pas en récidive. Bah non, le dernier. Ouais, non, c'était le 25, donc. C'est bon, ça va. Eh bien, écoutez, toujours pas besoin de boire ou manger? Bah, ça va commencer à devenir urgent dans 5 minutes. Ok. Bon, bah, de toute façon, je vais vous détacher. Vous allez me donner vos sacs de supérettes, le téléphone et du coup, le poids américain. D'accord? Oui. Bon, j'ai envie de dire, le téléphone, il va me servir à rien, je suis tout seul. Oh, oui, mais quoi qu'il arrive, vous allez quand même me donner. Pas besoin de sortir de taser, hein, je suis dans un poste de police, vous en faites pas. Hein. Non, bah si vous saviez. Ah ouais ce dit, bah c'est des cons. Hein. Plutôt, mais... Ouais, bah il y en a qui ont osé et. Ah ouais, des d'accord. Problèmes. Ah ouais. Ah oui, ils sont chauds, ouais. C'est des mesures de sécurité. Hop, donc faites cette petite séquence. Et le téléphone, vous me dites. Tenez. Et pour Américain aussi. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je bois quand même. Parce que... Oui, allez-y. Et enlevez votre masque aussi. Oui, aussi, oui. Alors, attendez, mon point américain. Ne tasez pas, je le sors. Et voici. Et ok. Mon... Alors, ça, c'est mon taser. Voilà. Et bien, nickel. Nickel. Parfait. Je donne mon sac aussi, parce qu'il me fait chier. Ouais. Ouais. Et après, ça sera par ici. Pour une fois que je me lève le matin, quoi. Ah bah écoutez, pas forcément, oui. ça doit bien faire 2 mois que je ne me lève pas le matin quoi. Ah oui, d'accord. Mais comme quoi quand on se lève des fois. Bah, tu t'occupes de ces questions ou tu t'occupes comme tu veux. T'as réussi à accéder ou pas du coup? Oui c'est beau pour moi. Bon bah alors, je te laisse faire vu que t'as géré depuis le début. Hop, j'installe monsieur dans sa cellule. Installez-moi. Je veux bien un burrito si vous avez. Un quoi? Burrito. Non, bah, c'est pas les vacances non plus. Bah, vous avez cru m'installer, moi, ça veut vous avez cru que c'était Cancun ou quoi ici? Allez là-dedans. Merde. Ouais, j'aurais c'est essayé. Bon, apparemment. Non, le... Bah, oui, bah, non, quand même. Attends, parce qu'on a eu un message. Les officiers, on reviendra avec vous. Veuillez quitter l'intranet, s'il vous plaît, merci. Oh, puis vous allez devoir appeler le procureur en plus. Oh. Alors. Bah, c'est, ça va être compliqué du coup. Alors, dites-moi, on est où? Bah, oui. Garde une alerte de l'intranet en disant que ça va être compliqué. Ouais, bon, c'est pas grave. Au pire, notez-le dans un coin, je sais pas, sur vos informations ou un truc comme ça. Ouais, ça roule. Pour le mettre à noter plus tard, comme ça au moins vous avez un petit laps de temps. Hop. Hop.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc le monsieur il avait des sacs d'argent sur lui, c'est ça? Ouais, yes. C'est ça. Tac. Est-ce que j'ai réussi à enregistrer les annexes infractions et peines quelque part? Ouais, si on les a pas dispo. Après, de toute façon, c'est quoi? Braquage de supérette, délit de fuite. Ouais, je les ai dispo si vous voulez. Ouais, c'est ça. Braquage de sup, délit de fuite. Détention de sac d'argent. Et c'est tout. Ouais, mais quoi qu'il arrive, ça reste le braquage de sup qui prend le. Ouais, c'est ça. Le braquage de sup, ça déjà peut le gérer. C'est combien? 17 000 max? Non, 7 000. La max. 7 000. Et bah. Ouais, moi, ça y est, répété. Après, même s'il a été sympathique et qu'il s'est arrêté, ça fait quand même un petit moment que la course poursuite est dure. Bah, elle part de Clinton dans le sud, il nous a ramené, fait passer par Grapside, l'autoroute. Enfin, directement au bureau, quoi. C'est ça, quoi. Donc, non, elle a duré longtemps. Il mettait une inter 2. Ouais. Ça fait 5250. C'est ça, 5250. Combien de temps de gave? Alors, ça, c'est une bonne question. Bah, moi, j'ai essayé d'y retourner dessus pour checker le temps, mais. Non, de toute façon, ça compliqué, sera c'est compliqué. Ouais. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Il y aurait 22 minutes de garde à vue. 22 Oui. Bon. Bah, soyons gentils, on va lui mettre 15 minutes et comme ça au moins on le fera sortir rapidement. Moi ça roule. Okay, même si on suit pas les 22, c'est pas trop grave. Mais ouais, bien sûr. Sinon on va rester ici pendant je sais pas combien de temps. Oui, surtout. L'objectif, c'est que on puisse vous libérer aussi. Ouais, bien sûr. Si vous voulez, je peux récupérer tout ce qui est sac d'argent et tout, à part si vous les mettez dans vos saisies, je sais pas comment vous voulez fonctionner. C'est mon collègue ça, après, là. Après, c'est le même combat. J'ai pas. Oh, mais autant les mettre ici, hein, on est le plus proche. Hop, je les ai pas encore notés par contre en saisie. Ouais, mais je vais le faire. Je vais le faire. Je vais me le noter sur un papier et je le ferai plus tard. Ok, je suis peut-être le pas avec. Ouais, je veux bien. Et voilà. Alors. Donc, du coup, on avait 27 sacs. Le nom de monsieur, c'était quoi déjà? Loman Savi. L-O-M-H-A-N, c'est ça? Un truc comme ça. L-O-H-A-M. L-O-H. M-A-N, pardon. Excusez-moi, j'ai du mal. J'en peux plus là. Ok, ça marche. Bon, je noterai ça une fois qu'on aura accès de nouveau à l'intra. Eh ben, je vous laisse lui mettre l'amende, lui présenter son temps de gave et après vous pouvez repartir. Je finirai avec monsieur, je le laisse repartir. Non, ça va. Je vais lui faire l'amende. Ouais, ça marche. Roman Saline, d'accord. Eh oui. Tout. Accessoirement, j'ai vu dans son casier qu'il faisait partie des Bloods, donc si jamais. Ouais, bon, après c'est. Non, mais si jamais vous avez des questions à lui poser. C'est ça que je voulais voir avec lui parce que, étant donné qu'il m'a parlé du fait qu'il volait un véhicule, j'aimerais bien savoir si ça leur arrive souvent et qu'est-ce qu'ils en font. Ouais, c'est étonnant. Voilà, se retrouver avec une Banshee volée, il ne dépassait pas les 170 sur l'autoroute. Donc, Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'à mon avis, ils doivent être aussi un peu sur d'autres choses, quoi. Mm. Vous l'aviez croisé avec quoi ce matin là, quand vous avez fait la course poursuite? C'était un vieux truc, un vieux véhicule tout pourri là qu'ils ont généralement. Ah, les espèces les mecs de son D-Shore là. Ouais, d'accord, je vois. Surtout où il y a le moteur qui est apparent à l'arrière. Il est Lincoln 39 possible, 10, 40, 81, 30. Il était avec ça. Je peux pas l'aborder. Super sportif, blanc et jaune. Ah, très fort, Maro, c'est trop épais. Salut Mandorim. Non, je l'ai en fait le. Le début de l'infraction, non, c'est un braquage de supérette en fait. On l'a eu là, en 70-93, c'était la supérette de Clinton, donc on est arrivé sur place avec sa Banshee, et donc braquage confirmé, il est parti en 10-31, donc du coup, bah, après, c'est braquage de supérette, délit de fuite, puisqu'il a essayé de se barrer, et détention de sac d'argent. Faites quand même l'école 10-31. Donc voilà. 4, 80, 40, donc non, 10, 31, c'est lui, c'est braquage de supérette qui nous a fait. Et bonjour à toi, du coup. Mort de rime, ouais, c'est ça. Aucune distance et perte de visuel. Suite à 2, 10, 5,
tenter un pit de civil. Et s'il reste longtemps arrêté, vous lui faites les pneus. Alors, c'était une autre inter, en fait, c'était une heure avant, en fait. Une heure avant ou deux heures avant, et moi, j'ai vu le live de Manarkin. Attends, c'est quoi ? J'ai vu aller vite. Oui, en fait, si tu veux, il y a eu deux inter. En fait, ce matin, le joueur de flèche du BCSO, en fait, il l'a vu sur une inter ce matin. En fait, il était sur la route 68. Il allait direction une voiture volée. Et en allant sur la voiture volée, au niveau de la fédérale, il a vu un véhicule dans l'autre sens aller vite. Il a fait un demi-tour et a voulu le contrôler. Et en fait, du coup, il s'est barré. Et il a réussi à s'enfuir. En fait, il parlait de ça, en fait. Il a réussi à s'enfuir avec un espèce de buggerette dégueulasse là, qu'ils ont tous dans son Sandy Shore. Il est parti en off-road après un ou deux pits. Et il s'est enfui. Et en fait, il a avoué que c'était lui qui avait fait ça. Donc du coup, c'est pour ça que Flèche a expliqué. Donc oui, ce matin, il a fait un excès de vitesse et délit de fuite. Mais ça, ce sera pas compté. On s'en bat les couilles. Tant pis, c'est fair play. On l'a pas eu sur le fait, donc tant pis. C'est cool de sa part d'avouer que c'était lui. C'est marrant, mais ça lui rajoutera pas plus de trucs. Mais après, pourquoi on le contrôle, c'était ça. C'est le braquage de Super 8, le délit de fuite et la détention de sac. Voilà, je vais voir ce qui se passe. D'accord, hop. Ok, ouais, c'est particulier, mais ok. Après, le médecin. Ah ouais, pour raison voilà. Médicale. Pour raison médicale, et comme c'est le secret médical, vous n'avez pas le droit de savoir pourquoi. C'est qui votre médecin? J'aimerais bien savoir qui c'est. Je sais pas son nom. D'accord. C'est pas mon médecin traitant, je l'ai vu que deux fois donc. Ah oui, d'accord. Et voilà, mais je lui ai dit, je peux avoir un minigun? Il m'a dit, bon, besoin médical peut-être. On peut s'arranger, oui. Il m'a dit. Vous tournez pour un groupe en particulier? Parce que vu que notre intra il est pété, j'ai pas les infos. Il est pété, oui, je travaille pour les. Enfin, pour non, je travaille, je suis des Bloods. Vous êtes les Bloods? Non, je suis des confirme, Bloods. Je confirme, j'ai le temps de voir ça sur l'intra. Je suis des Bloods. Vous êtes des Bloods, d'accord. Ça vous arrive souvent de faire des supérettes ou. Alors. Bah, mis à part le véhicule de tout à l'heure. Oui, ça m'arrive, oui. Ouais. Faites ça et d'autres choses ou. Ah, on fait tout, nous. On touche à tout. Vous êtes sur tout, mais pas encore sur. On des trucs un peu plus en particulier. On touche à tout. Combien de temps que vous avez rejoint leur. À moi? Moi, j'étais là depuis longtemps. C'est vrai? Ça fait longtemps que j'ai rejoint. Oui, ça fait très longtemps. Vous êtes arrivé quand ici? Sur l'île? Oui, parce que j'allais dire tout à l'heure, mais. Oui, non, mais. Je suis arrivé quand? Je suis arrivé fin janvier. Fin janvier? Oui. Ok. Donc, ça fait déjà un petit moment. Ok, et qu'est-ce qui vous pousse à continuer avec eux? Hein et généralement, les gens ont des raisons de rejoindre ce genre d'activité. C'est la vie. C'est la vie. La vie c'est faite d'opportunités. Et... La vie vous a souri et puis vous avez dit oui à la vie. Non, Larry m'a pas... Non, c'est pas de ce côté-là. Je sais pas. Sinon, si elle m'avait souri, je serais peut-être pas de ce côté-là, vous voyez. Ah bah, j'en sais rien. Je sais pas. C'est à vous de me le dire. C'est... Non. Je connais pas votre vie. J'ai pas écrit votre biographie. J'en sais rien. Enfin, je suis désolé. Moi, c'est... Ah mais non. C'est la première fois que je vous vois. Disons que j'ai eu des opportunités qui se sont ouvertes et j'y suis allé, quoi. D'accord. Les opportunités, c'était celles-ci ou c'est genre, professionnellement parlant, vous avez tenté autre chose et on vous a fermé des portes? Non, première solution. D'accord. Donc, en fait, vous avez choisi... Disons que j'ai pas eu le temps d'aller faire des demandes, quoi. Faut dire d'accord. Ça comme ça. Vous êtes arrivé, vous êtes dit, allez, en coup de port, on me propose ça, j'y vais. J'ai fait, c'est parti. Vous savez, le premier choix, c'est souvent le bon. Pas forcément. Bah, pas tout le temps. Ça dépend du point de vue. Oui, c'est vrai. Oui, c'est dépend du point de vue. C'est sûr. Pour en revenir avec les petits exercices qu'on a fait ce matin là ensemble. Oui. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. Vous avez votre permis ou pas? Oui, j'ai mon permis, bien sûr. D'accord. Le véhicule avec lequel vous rouliez, c'était le vôtre? Non, c'était pas le CF.
Ah, vous l'avez rattrapé derrière. Comment ça, c'était pas le mien ? Non, il a pas dit pour le véhicule de ce matin. Oui, c'est pour le véhicule de ce matin. Pour la manche. Ah, pardon, c'est vrai. Et du coup, je répondrai vu que vous pouvez vérifier. Peut-être. Peut-être, d'accord. C'est quoi, tu vois comme véhicule déjà ? C'est une injection. Une injection, d'accord. Ça avance ce truc ou pas ? Oh, en gros, ça avance pas mal. Hein. Ok. Ça avance pas mal, puis comme je kiffe l'eau fraude. Ouais, c'est surtout que ça grimpe, quoi. Bah, c'est surtout ce que je me suis dit, oui. Ah bah, quand vous m'avez vu grimper, oui. Bah, en fait, à un moment donné, j'ai pu prendre full droite et grimper. J'ai dit, bon, bah, laissons-le, il a envie de faire du off-road. Oui, bah, si vous voulez, quand j'ai eu peur quand même à un moment donné que vous loupiez un virage et que vous tombiez, mais moi aussi, je me suis dit, ouais, j'imagine. Alors, HRP, Malarkin, le genre de flèche, lui a insulté ses grands morts. Parce qu'il est. Je pense que en fait, ça nous saoule un peu des fois quand. C'était derrière le zombie car, là. Enfin, en fait, une course poursuite et que ça part en fraude rapidement, quoi. Oui, j'ai vu. Mais après, avec un éjection dans le nord, ça va être compliqué, quoi. Décalé un tout petit peu. Nous, dans le sud. Là c'était chaud, mais... là, j'ai du mal à reprendre, ouais. Vraiment de la chance. Après je me suis dit j'arrive à vous rattraper donc ça va. Voilà, puis quand j'ai vu que vous vouliez me diriger vers là, j'ai fait allez c'est bon, on va monter parce que sinon. Après je me suis dit vous alliez reprendre la route, mais même pas. Non de... Eh ben figurez-vous que si, j'ai repris la route. Ouais, bah non, vous l'avez traversé la route. Ça va pareil. Mais en fait, si vous voulez, j'ai attendu 30 secondes que vous partiez, je suis redescendu à l'endroit même où je suis parti. Enfin, où je suis. Ah non, mais j'imagine. Mais je me suis dit, je vais aller voir dans un autre côté. Parce qu'en fait, généralement, il y en a qui prennent en off-road et qui finissent vers Stap City. Mais étant donné que j'avais pas l'identification de la personne qui était à l'intérieur, je me suis dit, on sait jamais. Et ouais, après, ouais, je me suis dit, ouais, je vais revenir sur place. Puis j'ai fait, bon, pas grave. Je vais pas là-bas, moi. Ok. Du coup, donc là, c'était votre véhicule. Le véhicule volé là que vous avez utilisé, ça vous arrive souvent ou vous faites ça juste pour faire des supérettes ? De quoi, de voler des véhicules ? Ouais. Ça dépend des moments. Bref, vous savez que normalement, on pose ce genre de questions genre avant les amendes. Comme ça, vous pouvez baisser l'amende en fonction des infos que je vous donne. Non, bah là, j'occupe le temps qui reste en fait. Différent. Vous savez, il y a deux manières de voir les choses. Soit on amende et puis on voit et puis voilà. Et soit après, je suis pas procureur, je suis pas. Moi, je pose des questions. Hein. Comme je vous dis, je vous connais pas. J'ai rarement vu par ici. J'ai jamais encore arrêté. Ben, c'est pour ça. Ça marche. Et si vous touchez à tout, vous en faites quoi des véhicules que vous récupérez ? Ah bah, ça, je sais pas vous le dire, par contre. Bah, je sais pas, il y en a qui les envoient à la casse, il y en a qui. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a qui les revendent pour pièces, il y en a qui les amènent quelque part pour les faire tuner, j'en sais rien, moi je. On les prend, vous voyez, sur la route. Mm-hmm. Et ensuite, disparition. Disparition. Mais dans l'eau ? Ça peut disparaître aussi dans l'eau. Hein. C'est dangereux, ça. Mais c'est dangereux, ouais. Parce que si on sort pas à temps, c'est compliqué. Voilà, mais dis bon, disons que si je vole des véhicules, c'est pas pour rien, quoi. D'accord. Et vous travaillez avec, en partenariat avec d'autres groupes ou vous volez en solitaire les Bloods là ? On touche à tout. D'accord. Donc, ouais, donc aujourd'hui, c'est celui qui fait la meilleure proposition, il gagne votre respect, entre guillemets. Quoi. Ça marche. Mais pourquoi Bloods ? Parce qu'on aime bien le sang. Vous aimez bien le sang. Le sang, ben c'est l'argent. Le sang, quand vous êtes tous des charcutiers, c'est ça ? Vous travaillez tous dans des coupes de viande Moi, j'aime bien quand le travail est vite fini, mais il y en a certains, non, ils aiment bien quand ça prend le temps, vous voyez. Donc, il y en a certains, ils sont charcutiers, et d'autres, bon. D'accord. On se fait des bains de temps en temps, c'est cool. Des bains de sang, c'est ça ? Il y a des gens, ils font des bains de boue, on fait des bains de sang. D'accord. Donc en fait c'est ça, vous remplissez une baignoire avec du sang de cochon là, vous pouvez baigner dedans. C'est ça. D'accord. Après bon, sang de cochon, et d'autres types de sang. Après vous prenez ce que vous voulez, vache, dinde... Voilà, c'est du sang quoi. Mais dinde ça en fait beaucoup quand même, hein. À ce moment là c'est plus un génocide qu'autre chose. Hein. Oh, ouais. Ah bah si, pour remplir, une baignoire avec du sang de dinde, ça fait beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est souvent du sang de porc quand même. D'accord. D'accord. Ça marche. Vous venez souvent dans le nord ou Je kiffe le nord.
C'est vrai? Ah ouais. Oui, mais parce que vous êtes un fan de off-road. Ouais, mais même sans ça, genre même toutes les routes et tout. Bah, je vous le dis, hein, quand je fais des CP dans le nord, je pars jamais dans le sud, moi. Ouais, alors ça. Désolé. Non. Hein. Ah non. Ah, désolé. Mais je préfère le dire. Généralement, les gens qui me disent ça, ils finissent tous par passer par 50-00 là. Et descendre dans le sud vers 50-02 machin. Ah non, 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 non. Ça a pu m'arriver. Ah, mais je préfère vous le dire. Hein. C'est ah, oui, tout bien, tout honneur. À chaque fois que quelqu'un m'a dit ça. Sandy Shore, c'est mon kiff. Vraiment. Genre, si je peux vous semer dans Sandy Shore, je le fais direct. Hein. D'accord. Ouais, c'est bien. Au moins, on a quelqu'un qui décide de jouer. Ah non, non. Mais si je viens dans le nord, c'est pas pour rien, quoi. Ah, mais je sais pas, il y en a, ils viennent dans le nord, ils passent 5 voilà. minutes et après ils redescendent. Bah regardez, même vos collègues à côté, je les ai emmenés dans le nord, c'est pour dire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, j'étais en train de terminer tout comme bureau, je me suis dit, tiens, à mon avis, la course poursuite va se terminer, mais finalement, non. Mais c'est vraiment de la merde. Bah ça, après, j'ai tenté, j'ai pas l'habitude. Je dis, j'ai pas l'habitude. Bah oui. La banshee, c'est vraiment de la merde. Bah vous avez tenté au moins. Voilà, mais je sais que j'en prendrai plus la Banshee. Bon, maintenant, il y a encore une centaine de voitures à tester, mais... Oui, il y en a beaucoup, oui. Voilà, je ne vais pas prendre l'injection, parce qu'on va dire, oh, tu pars en off-road et tout. Au moins, ah là, non, après, vous le faites. Enfin, moi, ce matin, comme je vous dis, je vous ai vu partir en off-road, j'ai pas le véhicule adapté, j'ai dit, ok, c'est bon. Après, ce matin, c'était pas très important, j'avais rien sur moi, tout ce que j'avais, c'était non, moi, en plus, je voulais juste vous dire, attention à la vitesse, quoi. Après, vous êtes parti, après... voilà. Bah, disons que je me suis dit, tiens, ça va me mettre en jambe le matin. Quand je vous ai vu me diriger vers un arbre, j'ai fait, bon, allez, je veux bien me mettre en jambe, mais faut pas abuser non plus. Ouais, en plus, c'est le premier, j'ai réussi à vous décaler. Je me suis dit, tiens, ça peut. Après, je me suis dit, le deuxième, on va continuer. Puis ça pas. Et puis après, vous avez bien. Ah oui, non. À partir du deuxième, je me suis dit, jamais 203 au cas où. Et je me suis dit la même chose. Et je me suis dit, peut-être la troisième, ça passe. Ouais, non. Ouais, je voulais pas tester. Surtout que le véhicule avait pas l'air très stable. Bon. Bah, c'est. Oui. Bah, après, c'est votre véhicule, non? Vous me connaissez? Ah, j'ai dit peut-être. Lieutenant? Ah, mais dites-moi. C'est vrai de vous interrompre la garde de Viterbi. Mais bah, parfait. Je suis bien entendu, 18. Allez, monsieur, je vais vous ouvrir, on pourra sortir. Hop là. Il va falloir qu'on file aussi. Direction. Hop. De changer. Bah, c'est vous qui voyez, mais c'est pas les plus beaux habits du monde. Hein. Lieutenant, on va devoir vous laisser. On a d'autres interventions. Ouais, pas de soucis. Dans le sud. Hop, il va son téléphone. Et bah, merci à vous. Nickel, merci à vous. Passez une bonne journée. Ouais, merci à vous aussi. À plus tard. À plus tard. Que c'est Clinton encore? Non, c'est Palomino. Palomino? Oh putain. Ouais. Écoute, on va tenter. Un peu loin. Ouais. Madame 27, on raccroche 9 km sur le dernier 10-40. 9 km, allez, let's go! Un peu loin, ouais. Après, en soi, là on a full autoroute donc ça peut aller vite, tu vois. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça crache pas quand même. J'ai regardé son GPS, ça fait. Oui. Pas sûr qu'on l'ait, hein. Allez. Hey, je crois en toi. Non, mais c'est surtout. Si. Comment dire. Si McFly arrive sur place et arrive à le tenir un peu, le temps qu'on raccroche, ça peut le faire, tu vois. Oui. La traîne a été revenue. J'ai marqué. Au casier. Non. 6-06. Bon. 8-8. Package. Hop. Vol de bien. Ouais, c'est ça, 22 minutes de garde à vue, j'avais raison. Non, bien joué. En inter 2, ouais, c'était ça? Ouais, inter 2, ouais, c'est ça. 5250 et 22 minutes de garde à vue. C'est nickel.
Oh, on a oublié de lui retirer son permis. Bon, je pense que le lieutenant du BCSO va pas l'oublier. Il lui a demandé son permis en plus. Ah oui, ok. Lincoln 3010 23 en 73-55, aucun véhicule devant la Super S, je vais checker. Aucun véhicule ? Adam 27 10-4, on est actuellement à 2,5 km. Bon, on va se rapprocher quand même. Aucun véhicule. On sait jamais, parce qu'il est tout seul en ouais. plus, donc. Oui, c'est sûr. On va pas qu'il se fasse braquer de bon matin là. Code 4 sur la Super. Adam 27 disquette. Tant pis. Vous n'êtes pas loin. Bon, maintenant qu'on est revenu, c'est bon. Il n'y a rien eu entre temps au final à part celui-là là. Bah non, 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 il y a eu des vols de véhicules par contre. Ouais, ça beaucoup. Malheureusement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup je trouve. Mais attends, c'est quand moi c'est... Attendez, quand on est mercredi, c'est quand c'est lundi. J'ai quand même attrapé un mec de Ron qui a fait un vol de véhicule. Parce qu'il a eu un mal de tête et en fait il a volé un véhicule. Sauf qu'il y avait Hector qui l'a vu, qui l'a suivi, et nous on a raccroché, et il a fait un 10-31, et il s'est arrêté après s'être crash sur l'autoroute, tu vois. Ouais, d'accord. J'étais sur le cul, quoi. Putain, un mec d'une entreprise. 5h18, trop loin. Ouais, oh oui, de toute façon, les vols de véhicules, si c'est pas dans les 1 km, on va dire, c'est mort. Bon, j'allais dire Bénise, mais ça va en vrai. Ça va. J'ai l'air d'être bien. Ouais, non, non, ça va, ça va. Adam 27, possible 10-40 en 90-44. Véhicule super sportif jaune avec stickers bleu ciel violet. Lincoln 39, 1 km. Arrêtez-vous monsieur, s'il vous plaît. Sortez du véhicule. Tu vois, elle est arrêtée. Je ne peux pas sortir du véhicule, je suis désolé parce que vous allez faire une levée de doute et j'ai pas envie qu'on me lève un doute. Eh ben, pourquoi ça? Après, on peut discuter. Ah, c'est vrai, on peut discuter, allez, on discute. Ouais. Eh ben, d'accord. Attendez, alors, je me garde mieux. Pourquoi vous voulez pas qu'on lève le doute du coup? Et allez, on dit, on lève le doute. Allez, levons le doute. Allez. Bon, voilà, nickel. Quand ça, vous nickel et vous. Vous levez des doutes et après vous mais vous touchez, vous touchez n'importe où. Je vais juste checker la supérette et puis si voilà, c'est bon, ça, et ben y a pas besoin. Oui, pas de problème. C'est quoi comme voiture, ce monsieur? C'est une Italie GTO, magnifique. Hein. Oui. J'ai écrasé un chat là. Peu de sang sur le pare-choc, ouais. Gros chat. Ouais, j'ai pas fait exprès, il a coupé la route, écrasé le chat. Et malheureusement, Ginette a été braquée récemment, donc on va être obligé de faire une levée de doute. Et si allez, c'est vrai. Fouillez mes poches. Allez, je vous laisse lever les mains. T'as pas besoin de le menotter normalement. Ah, ouais, si normalement, y'a pas besoin. Ouais. Hop, on va vérifier. 9, 10, 48, 90, 46. Ok. Et papa, c'est nickel. Bon, bah c'est parfait. Ouais. Bah voilà, nickel, vous voyez. Mais du coup, pourquoi vous vouliez pas qu'on lève le doute? Parce que des fois, vous voyez. Oui, parce que vous êtes, des fois, vous êtes pénible. Non, c'est bon. Vous avez des choses à cacher? Non. Non? Bah, vous voyez. D'accord. Du coup. Non, mais bon, je me suis dit une petite course de voiture du matin, là, vous voyez. Ouais, bah alors, avec votre voiture et nous, l'intercepteur, je crois que ça va pas durer très longtemps. Ça va rien dire, ça, vous savez, avec les bites et tout. Ouais.
C'est pas fou. Oui. Alors, vous savez, des fois, il y en a qui se les prennent et qui repartent. C'est oui, vrai bon, aussi, c'est... Ouais. Oui, mais pas les jaunes, je crois, si. Mais je sais pas. Moi, je dis ça comme ça. Bon, après, c'est pas forcément c'est... les vagos qui ont des voitures jaunes, quoi. Non. Ouais, sur 4 millions d'habitants. Ah, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais bien sûr. Bah écoutez, du coup, on va vous laisser repartir tranquille. Hein. Pas de soucis. Eh bah, ça monsieur. Marche. On va passer une bonne journée. Bah, merci à vous aussi. Tout à l'heure. Eh bah, sûrement. Je vais aller manger, moi. Les gens. C'est la 27, code 4 sur le 10 48. 49, code 4 sur le 10 48. On va aller au Bénise parce que j'ai l'impression que toutes les vitres ont pété. Ah oui, oui. Ah bah, ils sont nickel. Ah bah, écoute. Ah oui. On va aller au Bénis du coup au cas où parce que... Ah bah oui, ça fait pas de balle hein. Ouais, on profite, écoute. Et tu vois, ça veut dire que ouais, celle-là a été braquée dans les 30 dernières minutes quoi. Putain, ça casse les couilles ouais. Ça. Il y a de qui t'appuie pas sur le bouton, c'est honteux. Ouais, ouais. Malheureusement. Hop, il y a terre. Aïe, aïe, hop. Aïe, aïe, bon, aïe. Ah oui, j'aurais pas dit vieux. Ça braque en Italie GTO de bon matin, mais... c'est terrible. Quel enfer. Je l'ai eu tout à l'heure. Hein. Ah ouais aïe. Ah, c'est aïe. Ça que j'ai entendu. Ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, mais j'ai même pas cherché à accélérer. Le mec a fait du... Ouais, ça sert à rien, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, je... Voilà, c'est pour ça que j'ai fait la petite remarque sur okay. Le bit jaune. Ouais, je comprends mieux, ouais. Je comprends mieux, ouais, d'accord. Ouais, okay. Ouais, ouais. Ah, mais tiens, il y a un autre client là-bas, oui. Celui-là, oui. On la voit souvent, celle-là, oui. Ah, putain, moi non. Ah bah, celle-là, le matin, tous les matins, oui. Ah ouais ah, je suis pas là souvent ouais. Le matin, donc c'est pour ça aussi. Ouais, c'est pour ça que t'as pas l'habitude. Ouais, tu vois. Eh monsieur, bonjour. Eh bonjour. Oh putain, ah bah ouais, je la dirais encore. Je suis un peu putain, tout seul. Ça. Ah merde. Oh bah ça se fait. Ouais, il faut. Allez, courage. Oh, ça se fait. De toute façon, ça reste calme. Ouais, à cette heure-ci, ça va, c'est tranquille, ouais. Ça va, vous débarquez pas assez. Le mois interdit de bon matin, c'est terrible quand même. Oh, faut arrêter ces superstitions à la con. Eh oui. Si tu veux, je vais conjurer le sort. Calme, tranquille, voilà, tranquille. Allez, voilà. Et puis clairement, s'il y a pas de boulot, on se fait tout chier. Bah on est d'accord. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Non, parce que là, bon, l'heure de l'apéro, c'est plutôt l'heure de manger. Donc à manger, il faut bien que vous occupiez. C'est aussi l'heure de l'apéro. Hein. Midi 20, hein. L'heure de manger. Hein. Ah bah Oui. Non, mais par contre, il y a le petit digestif, il y a la petite liqueur dans une demi-heure. Ouais, putain, ça fait longtemps que j'en ai pas bu une. Ah bah oui, mais c'est bien pour le digérer. Ah bah ça, c'est sûr. Là, pour faire la sieste aussi, oui. Ouais, c'est ça. Intéressant aussi, oui. Vous êtes tout seul ou vous avez des collègues qui font les super-hêtes? Non, là, je suis vraiment tout seul. Ok, ça roule. On avait croisé un véhicule Bénise vers Vespucci, donc c'est pour ça, vers la supérette. Ouais, en fait, j'avais une collègue qui était partie en sup, bah Léa, mais ouais. Elle est partie du coup. Et ok. Moi, j'étais parti en Benson aussi faire mes flottes du matin, et puis faire un peu de sup, et puis bah, là, ouais, j'étais tout seul. Bon, de toute façon... Non, je crois que nous, de toute façon, côté l'Espizi, la flotte, je crois qu'on est bon, donc il n'y a pas de raison qu'on vous fasse chier avec ça. Surtout si vous êtes tout seul, de toute façon, on va pas vous emmerder. Ah, mais si, de toute façon, même si je suis tout seul, en fait, dans tous les cas, on sait ce qu'on a à faire, on a des priorisations. Ouais. Parce que justement, j'ai vu, il y a James qui est passé, McFarlane. Ouais. Votre collègue. Et il me disait, il n'y a pas eu de flotte de fête ce matin. J'ai dit, non. Il y a un message qui a été envoyé début de matinée. Et... Ah, d'accord. On n'a pas eu de retour. Et il me fait, normalement, c'est tous les deux jours. Bah, je lui fais, au pire, vous envoyez un message dans l'après-midi, c'est pas un souci. Ouais, ça roule, pas de souci. De toute façon, même quand vous avez besoin, de toute façon. Oui, bien sûr. Même si je suis tout seul, de toute façon, je ferme, je viens vous faire, et puis voilà. On a notre priorité. C'est sous fin de service. Et voilà, c'est tout nickel. Bon pour moi, en merci tout cas. Beaucoup. Et bonne journée à vous, messieurs. Merci à vous aussi, bon courage. Bonne journée.
J'avais fait un tour assez de Forum Drive. Ah bah oui, oui, c'est enfin, pas Forum Grove Street, pardon. Et puis. Puis on ira refuel. Ouais putain l'Italie GTO là, oh là là quel enfer. Ah oui, là, ça c'est... En plus, alors ça c'est considéré comme une sportive, mais c'est l'équivalent d'une super sportive. En accélération. 0618. En accélération, c'est des CM monstres cette voiture. Bon, mais c'est cool. Petite CP, elle est dans le nord. Bon, après, on avait juste le problème de l'intra pété, donc du coup, c'était un peu la merde pour faire les casiers et tout. Ah, il faut. On avait fait un tour à Mirror. Parti. Pour 39. T'as fait l'écoute. C'est un 10-19 et venez me chercher. 10-4. De toute façon, ouais. De toute façon, on patrouille jusqu'à 40 et après 40 en fait on arrête puisque. Ouais, ça marche. Normalement, ils font enfin les dernières supérettes se font avant 40 quoi. Ouais. T'as pas eu le cas encore de supérettes qui ont été faits à midi 40 si, ou à. Ah, si, j'ai déjà le cas là. La dernière fois qu'on a vu une topette à midi, on a vu une alerte à 11h50. Ouais. Oh, du foutage de gueule. Ouais, à table 27, passé 10-40 sur la Clinton 70-93. Alpha noir, mat. L'individu monte dans son alpha. Allez, on s'arrête, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Alors, figurez-vous qu'il se passe quelque chose de très. Oui, alors, bah, mettez-vous sur le bas-côté, on va discuter. Oui, alors, du coup, bah, je peux pas. Ah bah si. Non. Ah bah si. Bah désolé. Et là dit tu pars direction ouest 70-92. Toujours direction ouest sur Eclipse Boulevard 70-79. Mmh. 70-67, toujours direction ouest sur Eclipse Boulevard. Oui, d'accord. Ça pose la voiture et ça s'arrête pas. Ah bah super.
61 91 direction ouest. Ça remonte direction nord 62 03. Ça reprend ouest 70 55. Toujours direction ouest 70 50. Soixante-dix quarante-trois, ça passe devant l'université, direction ouest. Ça prend direction sud, 70-35. Ça prend direction ouest, 70-31. Et ça reprend sud, 70-30. Allez monsieur, on s'arrête. Arrêtez-vous monsieur. Ça reprend ouest, 71-70. Alors on s'arrête maintenant. 5, ça reprend sud, 72-15. 5, ça reprend ouest, 60-72. Ça prend les petits chemins en 71-19, direction sud. Oh, j'ai fait du taillage, genre, t'as lu. Ah oui, j'ai vu, oui. A droite, et puis gauche. A droite, 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 à droite, et puis gauche. Il a pris gauche. Ouais, là, là, à gauche. Ça passe 80-09, direction ouest. Ouais, c'est parti à droite ou à gauche après? À gauche. Reprends les calls, continue direction allez, est, tout droit. 80-89. Tout reste 98. Et il est loin. Ça là. Va vite, t'as dit. Est 80-62. Sud, ah putain, 80, je l'ai 80. Vu l'enculé. Puis ouest 80-69. Ouais, je l'ai vu au moment où. Tout droit. Ouais, ouais. Après à droite. Possiblement parking beige. Ah, parking rouge. Il a, elle a dit parking beige. Ouais, mais après elle a dit rouge. Elle s'est plantée. Ah bon? Perte de visuel, parking rouge. On va checker aux alentours, ils vont checker parking rouge. On va checker le parking rouge. Dame 27, c'est du riz. Je vais quand même tenter le juste le dessus. Bah, c'est mais... trop jamais. Ça m'étonnerait. Ce parking est trop fermé et c'est dangereux pour. Ouais. Madame 27, pas de reprise de visuel. Madame 51, pas de reprise de haut visuel, code 4. Madame 27, disquette. Il y a un appartement qui s'est libéré sur la plage là. Eh, il est pas vu. Ouais. Ça va être sympa. Mais à mon avis, ça doit être cher parce que vu, de ce côté de la plage. Alors, tu peux ouvrir? Nickel.
Oh bah nickel, pour moi ça a pété toutes les vitres. C'est un peu pire. Ah bah... Bon, de toute façon, on ira au Bénis, écoute. Oh bah oui. Juste avant. Oui. Ah bah les collègues. Ah, j'ai l'impression que Ginette elle sent de moins en moins le matin. Et pourtant. Ouais, après, tu sais que des fois, moi je me rappelle d'une matinée où j'avais bossé et on avait arrêté en fin de matinée Monsieur Newt Liam là, des Aztecas. Et en fait, on l'a arrêté là, mais on avait vu son véhicule et il nous a avoué que c'était lui. Et il nous a dit, mais je sais pas, j'ai dû faire 10 ou 12 supérettes avant que vous m'arrêtiez. Donc, soit ça sonnait pas, soit on arrivait trop tard, tu vois. Ouais. Hop. Et rebonjour. Eh ben, rebonjour. Eh ben, rebonjour. Allez-vous. Merci manger. Beaucoup. Ouais, merci, ça va pas tarder. Bon, ouais. Bon, à plus tard. Marès, bon, on va passer un petit tour Miran. Ouais. Il sera l'heure de prendre 18. C'est ça. Pas pour moi, tu vois. Non, mais la même. De toute façon, tu veux prendre ton 18 maintenant? Oh non, on va aller voir un Beer Park. Hein. Un petit tour, et puis si jamais il y a rien. Bon, ça, il est 35, donc. Là, il tente jusqu'à la dernière minute. Ah ouais, non, bah c'est. Bah, je te dis un matin là, pareil, avec Steak Carter. Hein. Juste un matin ou un soir. Pareil, à 2h40 ou midi 40, à Superette. Ah bon, on y allait comme des connards. Et en plus, le mec était en Sanchez. Ah ouais. Alors, malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir. Mais du coup, on a fait une. Bah, on a été obligé de faire une remontée, quoi.
je crois que je viens de voir le collègue passer devant vous. Ah ouais? Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont à gauche là. Je pense qu'ils l'ont déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, de toute façon. Oui, autant les faire. Hein. Bon, c'est ça. On y est. On sait jamais, hein. Tu sais, des fois, quelques secondes ah après. Ouais, ouais. C'est clair. Le mec, suffit qu'il ait un chouf, il a vu qu'il y a une patrouille qui était passée, il se dit bon, mais c'est bon, j'ai le temps. Bon allez, on va aller check la Clinton et puis on va faire demi-tour. Hein. Allez. Oh, c'était joli ça. Je sais pas ce ancienne, que là. J'ai pas vu. Mais... Je sais plus si c'est pas une... Non, pas les coquettes. Je sais plus ce que c'est. Et Adam 27, 10-19 pour tes suites de la dame. Oui. C'était cool. La dame porte 7, 10, 19 pour 18 de la dame. 51, 10, 4. La dame 51, 10, 19 pour 18 de la dame. La dame porte 7, 10, 4. Je vais attendre qu'il finisse son plan, je vais pas l'emmerder. Tu vois que je suis un peu au milieu ? Je vous dérange ? Non, mais t'inquiète, c'est juste, il y a la moto, je me prends pas la tête, hein, j'attends tranquille. Vous avez faim ? Putain, j'ai la dalle. Ouais. Un petit peu, oui. Moi aussi. Toi aussi ? Ah, la coup dur. Ouais, juste là, ouais. Ouais. Oh les ballandrins. Ouais, oh écoute. Je mangeais une bonne pizza là. Hein. Oh ouais. Ta gueule. Ah moi aussi. Ah ouais. Ça va être bon. Oh, ça va être l'eau bon. À la bouche. De fromage là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe. Sinon ça va, vous avez fait une bonne patrouille. Bah nickel et vous. Oh, bah nickel là. Bah ouais, impeccable oui. Attends, on va descendre, hein. Ouais, tant ouais, 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 pour les places après. Ah, ouais, allez, on c'est bon. Un panier de pique-nique et on peut aller, hein. Qu'est-ce que vous faisiez dans le nord d'ailleurs ? Eh ben, on a suivi un 10-31 qui partait de Clinton. Moi j'étais avec Palmer et du coup on n'avait pas la commune, on s'est dit qu'est-ce qu'il fout dans le nord ? Eh ben, en fait, ouais, on a suivi un 10-31 qui partait de Clinton et on l'a arrêté à Paleto. Ah ouais, quand même. Bien. Ah oui, et... Ah bah on est passé, ouais, on est passé dans Grapside et tout. Enfin, le mec il a pas arrêté, mais après il a une bande chivolée, donc forcément il est pas très vite. Quoi. En fait, c'était un guide touristique du Nord. Il faut. Mais c'est ça. C'est la petite visite, elle a quitté en même temps. Bah, cela dit, vous savez que les taxis font vraiment ça hein, si vous voulez visiter l'île. Ah, ouais, moi j'ai bossé au taxi, c'est bon. Ah, je l'ai fait, c'était très drôle. J'étais avec McFarlane.
Ouais. On avait enfilé des petites tenues saillantes du type déguisement de Noël. D'accord. Ah oui. Et on a passé toute notre visite à dire des choses un peu équivoques qui pouvaient faire soit penser qu'on était des énormes criminels, soit des policiers. Ouais. Oui, d'accord. Nickel. C'était très drôle. J'imagine. Ah putain, quel enfer. Ça, c'était marrant. Vous avez fait. Enfin, non, je vais pas te demander, mais c'était marrant de nous croiser en BE là. Avec la camionnette là, putain, c'était tellement drôle. Ah, tu nous. Oui, parce qu'on s'est dit, lui, il a eu un petit moment d'arrêt, il s'est dit merde. Ah, oui, mais oui. Qui sort du PDP. Bah, bien sûr, je me doute, hein, cette camionnette là, tu te doutes que c'est pas les réparateurs hein, du Bénis. Et du coup, j'ai vu les deux, je fais. Ah, j'imagine que ça. C'est... Vous devez tellement voir des trucs, les gens doivent tellement pas vous calculer, ça doit être énorme. On voit tellement de choses, mais même chez vous. Hein, ah, mais bien sûr. Moi, j'avais déjà patrouillé en oracle, là, banalisé. Oh, mais on c'est, voit tellement c'est, d'agents qui conduisent c'est comme des impressionnant. Ah ouais, bien d'accord. Mais c'est ça, tu vois tout, quoi, c'est trop bien. Mais on peut rien dire parce qu'on est caché. Ah bah oui, bien sûr. Sinon, tu grilles ta couverture. Parce que le lieutenant, des fois, ça le démange. Oh, tu m'étonnes surtout, le lieutenant Polmar. Allô ? Ça va et toi ? Bon, allez, manger. Ouais, allez, ouais, nous, on va faire le plein, du coup. Ah oui, le plein. Ouais, le plein. Il va manger la voiture. C'était ça, le but. Non, mais nickel, merci. Allez, bon, ben moi je reviendrai vers le temps de bouffer et tout. Oui, c'est pareil. À 14h, un truc comme ça. Oh putain, Manarkin, mais non, vraiment! Les flèches qui raident, putain, mais je vais cut moi aussi, putain. Quel enfer, merci, c'est gentil, Narkid. Alors c'est rigolo parce que moi je t'ai. Ah merci, putain, ça a lâché les faux. Je suivais beaucoup tes lives quand j'étais pas sur le serveur. Et j'aimais beaucoup parce que j'aime beaucoup ton personnage et en plus j'aime beaucoup la musique que tu passes. Donc du coup c'était assez cool. Et c'était marrant d'avoir la petite scène avec toi ce matin. C'était sympa. Mais du coup, bah, je regarde plus tes lives maintenant, vu que je suis joueur, je regarde vite fait des lives. Putain, merci pour les follow, c'est gentil. Putain, ça, ils pètent un câble, tes gens, là. Quel enfer. Bah, merci pour tous les follow, c'est gentil. Allez, Dogoria qui lâche un follow. Putain, je vois même pas les... Le bot a bugué. Donc du coup, je vois pas. La PLS, putain. Allez, Enlar Coco, merci pour le follow. Et merci du coup à tous ceux qui viennent de chez Manarkid. On avait quoi? On avait Alexav, Pentium, Ryuran, Dogorien. Mais merci pour les follow tout le monde, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Mais merci Manakin, c'est gentil. Bah écoute, peut-être un plus tard en jeu. Bon là, de toute façon, moi aussi, hein, je prends ma pause post-syndicale. Hein. On va aller manger quand même. Hein. Puis on retournera après. Hop, on est bon. Je reviendrai en jeu après. Après avoir mangé, après le shutdown du serveur. En tout cas, c'était cool. Hein. C'était cool, la petite scène avec le mec. En plus, c'est cool parce qu'il a avoué que... Alors du coup, c'est rigolo parce que ce que je disais en... quand on était en cellule et que le mec a avoué que c'était lui avec l'injection qui avait fait son 10-31, j'étais sur ton live à ce moment-là. Donc du coup, c'était assez marrant de voir qu'il a avoué. Donc c'était cool aussi, c'était fair play de sa part. Sans on n'allait pas lui rajouter des trucs supplémentaires.
Et salut Holtz. Salut. Ça va ? Ouais, nickel et... Nickel et toi ? Ouais, ça va. Ouais. Ça va, je dois être le premier con à avoir fait me péter un pneu sur une herse. Ah ! Alors ? Ah bon ? Alors ? Attends, 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 j'ai attends, j'ai demandé à Bilops, ouais il m'a fait... il m'a fait, bah, ça doit être un problème de point de vue, mais j'ai dit, ah ben c'est un problème, c'est un truc de point de vue, parce que monter moi, on voyait tous les deux que j'étais au moins à 1 mètre de la herse. Ouais, ouais. En alors, fait, en si plus... tu veux, le lieutenant Polmar m'a demandé de prendre sa place, ce que ouais. j'ai fait. Ouais. Tu vois, j'avance comme là où il était, tu vois, pas de problème. Je me dis, je vais reculer pour un peu mieux me replacer. Et là, je commence à reculer, boum. J'étais là, on n'est pas sérieux là. Ouais, alors ce qui est rigolo, c'est que ouais, ça a l'air d'être vraiment des problèmes de point de vue, parce que j'ai entendu, bah là tu vois, tu me dis que t'étais, pour toi, t'étais assez loin. Et moi, je sais que sur Indice 31, on avait posé une herse avec le lieutenant Mader sur une route. Et le mec est passé, mais vraiment à même pas 50 cm. Et que dalle, hein, la herse a pas pris, tu vois. Mais c'est ça. Et ça qui me dégoûte, surtout que tu vois, j'ai demandé une explication au lieutenant Polmar parce que je savais pas moi que ça pouvait péter les pneus aussi loin. Il m'a dit non, je veux pas savoir. Il a vu le pneu, il m'a dit ça. Donc, ouais, bon, c'est le lieutenant Polmar. En gros, c'est t'as fait exprès de foutre la voiture dessus. Oui, bon, écoute. Mais non, il a pas dit ça comme ça. Ah, si, je te jure, il a dit comme ça. Non, après, le lieutenant Polmar, il a un ton assez sec, etc. Mais. Il a un ton assez sec, mais en fait, il déconne beaucoup. Une fois que t'as compris, en fait, il a toujours la même intonation, mais que des mais fois, c'est il déconne, ça va mieux. C'est... En fait, il... ouais, oui, comme tu ça, dis, il a toujours la même intonation, quoi. Ouais, je sais, mais sauf qu'avec lui, je ne sais jamais. Bah, au pire, tu t'en branles, quoi. Passe du temps sur les toits avec lui et tu comprendras. Ouais, alors toi t'es au BE donc si, forcément tu passes du temps avec lui, mais c'est différent, c'est tu vois. Mais vraiment, non, des fois il déconne. Il a la même intonation, mais il déconne. Faut juste arriver à te dire que des fois, quand c'est gros comme ça, c'est peut-être juste de l'humour. Mais sauf que tu vois, c'est un truc parce que même moi je ne comprenais pas pourquoi ça a pété. Et quand il repasse à côté de moi, mais que. Avec la même intonation en me disant un truc similaire, monter, je sais pas s'il a entendu. Mais je te dis, j'ai fait 18 parce que sinon, tu vois, t'avais une ici sport rose en plus. Je sentais que la prochaine fois que je la voyais, je lui faisais un pit à 180. Ouais, alors quoi, ça sert à rien. Ouais. Donc, du coup, voilà. T'as eu raison de prendre un 18, quoi. Oui, voilà. D'ailleurs, vous avez pris connaissance du résumé fait avec de l'âge ou pas ? Non, d'ailleurs, tu vois, ça tombe bien parce que j'ai vu que tu l'as émis. Moi, j'avais pas pu être là, donc je vais l'ouvrir maintenant et je le regarderai en mangeant. Alors, Pandour, tu vas être contente, tu vas peut-être avoir des motos banalisés pour le BE et on va discuter avec le commissaire, etc. pour des SUV. Cependant, il faut que vous dressiez une liste de SUV, si c'est toujours d'actualité. Que vous souhaitez avoir. Oui mais non oui, Nayati qui lâche son sub. Merci, oui, putain, poulet, des bisous. Les collègues et oui, mon mais coloc in-game, que... tu ne seras bientôt plus mon coloc, mais tu ne le seras pas en jeu. Des SUV, oui. Il faut juste que tu attendes que ça soit accepté par tu... Bah écoute, tu ne le seras pas en RP jusqu'à ce que ça se passe. Favorable à une très grosse partie, pour les simples, surprise. Le gouvernement pour que vous ayez un vestiaire BE. Oui, je sais. Afin que ça vous fasse à peu près comme des magasins de vêtements, mais intramur. Oui, un faux magasin de vêtements juste pour le BE. Voilà. Et moi, mais je pensais mais où on pouvait le mettre. On pourrait le foutre au premier étage, là où t'as la porte qui est scellée. Étant donné que comme ça, personne vous verrait. Oui. Vous aurez juste à descendre les escaliers, vous faites un message comme quoi vous descendez, et comme ça, si on fait une sortie criminelle à cause des portes qui sont légèrement vitrées entre le garage et les cellules. Tu verras, tu vois. Putain, oui. C'est bizarre, t'as pas... Oui, bon, non, ça oui. pourrait être une nouvelle procédure. Ouais, je regarde à Guillaume qui s'occupe Pilote, mais je pense que ça peut passer. Des badges et tout, voir un peu comment ça tourne. Ouais, non, bonne du idée. Du coup, t'as... Idée. Non, t'as accès à des émotes. Ah, non, mais un bon représentant syndical. Ah ben oui, surtout qu'en principe demain soir je suis invité à suivre la réunion syndicale des employés de Lille. Cependant je sais pas oh, putain, si je vais quel enfer. Demain soir. Ouais. Apparemment ils en ont gros, la police fait pas son travail mais bon. Nickel. Ah, non, ou alors ça. Ça présent. Ouais, voilà. Et sauf que je pense pas être là demain soir à moins que. T'as vu si de là je pouvais se libérer. On en a discuté mais il va essayer d'être présent. Mais Mina m'a dit que dans tous les cas, si les syndicats employés me commençaient à gueuler,
elle allait couper me court et elle allait virer ceux qui s'en prenaient à la police pour rien, sans vouloir comprendre. Mina, j'ai aussi fait tomber dans les pommes hier, tiens. De quoi ? Mina, j'ai aussi fait tomber dans les pommes hier. Ah merde ! T'as fait quoi ? Bah, je lui ai annoncé pour le mariage. Elle est tombée dans les pommes. Ok. Allez, t'es au courant, Cunningham, du coup ? Félicitations ! T'es au courant. De quoi ? Alors moi, c'est PS, déjà, de... Voilà. Donc, Holst, rendors-toi. Allez. Alors, je te matraque maintenant ou comment ça se passe ? Vas-y, tasse-moi. Non. Ah si, si, vas-y, tasse-moi, c'est ma faute que j'arrive pas à reconnaître les collègues. Bon bah si tu veux vas-y. Pas, bon, bah, allez. Moi je... Nickel. Ah, voilà. Ah, oh. Oh non, bah, sors pas le neuf. Excuse-moi, Père. Excuse-moi, Père, mais en même temps, vous êtes tous... On n'a pas, pas la même coupe. Non, t'enfonce pas. On est juste blond, mais on n'a pas la même tête. On n'a pas la même coiffure. Côté potin et organisateur, ça te va très bien. Allez, continue. Bon, bah du coup, félicitations, Pérez. Tu es au courant. Il n'est pas au courant. Alors, j'ai juste entendu mariage, mais alors je ne sais pas le qui, de comment, de pourquoi. Ouais, voilà, mais bon, bref, t'es au courant qu'il y a un mariage, mais bon, voilà. Il faudra qu'on voit 2-3 points aussi, Pandours. Il est horrible, hein. En termes de leak, il est horrible. Ah bah, il te dit ouais, la moitié mal, de l'histoire, hein. Il t'insulte, il te traite d'un autre... Et après, il change de sujet. Nickel, on est bien là. Ça s'appelle un semi-spoil. Ah, c'est ça, ouais. En tous les cas, il faut qu'on continue sur l'organisation. Ouais, du coup, j'étais chargé de documents aussi, moi, du compte-rendu de la réunion. Je regarderai ça tout à l'heure. Il y avait du monde, du coup, à la réunion, en fait ? On était 12, à peu près. C'est pas entre vrai, 10 et 12. Pour un dimanche. Oui. Billups m'a dit, mais on était 35 en service dans la journée samedi et 39 records. Oh, putain. Samedi, là, c'était la... Putain, c'est impressionnant. Samedi, c'était, je crois, la réunion syndicale. Ouais. Ah non, c'était dimanche, pardon. C'était dimanche, mais... et du coup, ouais, 36 le samedi, 39 le dimanche, et moi, il m'a dit, on va le ruiner à force. On a coûté, je crois, ma dimanche, entre 200 et 500 000 dollars de salaire. Bah, en même temps, quand tu regardes ce que met la mairie sur l'intra là, par rapport aux dépenses et aux coûts, les services publics coûtent plus cher que ce que ça rapporte quoi, pour le d'ailleurs, ces derniers temps. En même temps, après, on travaille beaucoup. Quoi. Regarde, ah bah oui. T'as vu la quantité d'arrestations qu'on fait par rapport au BCSO ? Ah mais ça, c'est clair. Ah, quoique, voilà, hey, tu vois. Et semaine 12, charge 5 millions. Attends, c'est quoi là ? Compte rendu de la semaine, 5 millions. On dit 5 millions 160 000. On a 87 dernière, 000 on en a positif. Un... Putain. Ouais. La semaine dernière, je crois qu'on a fait pour 1 800 000 d'amendes. Et là, ce soir, Holst, au fait ? Peut-être. T'as vu l'affiche que j'ai postée par rapport au LSS ? Et un petit truc, gestion du stress, etc. Ce serait peut-être bien que tu y ailles, toi, ça te ferait du bien. Oui, mais tout le monde me trouve. Tu serais, moi. Tu vas alors, venir avec moi. Je te l'ai déjà dit, moi, c'est juste des fois à la radio, on a l'impression que tu vas casser des mères, quoi. On dirait qu'il est énervé tout le temps, alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est juste sa manière de parler, moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Allez vous faire foutre. Mais c'est pas méchant, tu vois, c'est pas. C'est juste, c'est marrant, quoi. Ça se voit que tu m'as pas vu en exo-swat. Ah ben déjà je t'ai entendu en Hector la dernière fois, j'ai rigolé alors. Je sais, mais j'étais avec Gardner, c'était la fameuse soirée, on avait fait au moins une vingtaine d'arrestations. Ah oui, putain, oui. Oh mais Gardner est fort, Nico. Oui, la soirée qui m'a donné des sueurs froides quand j'ai fait les statistiques. Je me suis dit que ça allait jamais s'arrêter, putain, c'est pas possible, on a arrêté tous les malandrins, au moins une fois dans la semaine. Ma feuille Excel où je fais ma comptabilité et tout, elle était pas assez grande, j'ai dû la doubler. Holst, meilleur employé du mois. Hein, c'était horrible. C'était horrible. Bon, allez, moi j'y vais. 56, autant rentrer chez moi. 82-88, puis sud. 71-55. Ouais, c'est pas le même ton encore. Pas tout à fait. Il est un peu plus. Bon, allez, je file. Bon, bah, allez, à tout à l'heure. Casse-toi. Bon app. Casse-toi, ouais. Putain, j'ai envie de retaser, mais. En réalité. Merci en tout cas, Dayati, pour la boue, c'est gentil. Mais oui.
Je vais très certainement faire déménager Pérez. Quoi sur l'accent? Bah écoute, mon personnage est marseillais, donc... Et encore, ça va, l'accent, je joue pas très fort, parce que déjà, c'est casse-couille d'avoir... de garder un accent quand tu l'as pas tout le temps. Merde, attends. Le message est pas passé. De quoi ils se sont foutus de moi? Ah non, mais ça, c'est normal, c'est du... Le font souvent. Des fois, j'ai le commissaire, putain, Billups, qui des fois se met à faire un accent un peu du sud. Putain, ça va mourir de rire, quoi. Sachant que, vu qu'IRL, j'ai pas d'accent du sud, bah du coup, moi, ça me fait marrer, mais je me tape des barres des fois. Ou alors, quand je vais en supérette et que je croise des gens qui font « Ah oui, vous êtes de Marseille, vous aimez les fougasses ?» des trucs à la con, moi, ça me fait rire. Moi, je suis bon client. Alors moi, pour le lore d'Anthony, lui, il est de Marseille, donc forcément. Oui, c'est ça, ouais, il dit souvent, comment dire, il dit souvent qu'on est du Texas parce qu'on a l'accent du sud. C'est un hélico qui se casse la gueule. Là. C'est déjà 58, merde, go! Oui, j'ai les radars, donc nick. Allez, vite! Et vite! Bientôt la tempête, il est 59, cours! Ah, ce passage piéton là, c'est vraiment le... Je me suis pas fait renverser encore, mais ça ne saurait tarder. Vraiment. Vite! Allez, on range Anthony. On va le ranger là. Attends. Non, pas là. Oula, attends. Attends, déjà... Vite, avant que ça déco. Voilà. Là, hop. Attention. Attention, 3, 2, 1, la sieste. Nickel. Voilà, très bien. Voilà, là, on est bien, là. Là, comment dire, OKLM, comme on dit. Bon, bah, du coup... Du coup, des bisous à tous. Merci pour les follow. Merci Manarkin encore pour le raid. Naeti, merci pour le... Ah, ça cut. Attends, on va switch sur la rocade histoire 2 comme ça. Hop là, voilà. On va pas mettre de musique. En tout cas, voilà. Merci à tous pour le petit... La petite session de ce matin, est-ce que j'envoie un raid? Est-ce que j'enverrai pas un raid pour qu'on reste viewer de 21 sur 21? Qui c'est qu'on a encore qui raid? Qui joue là? Il doit y avoir celui qui joue... qui y a McFarlane du Bénise. Ça marche, des bisous Nayati. Qu'est-ce qu'il fait McFarlane? Il fait une pause mais il reste en stream ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je vous envoie chez McFarlane ou... Là il est en pause, il doit être en train de bouffer, je pense on va cut le live. Tant pis pour ceux qui veulent aller
sur une autre chaîne, parce que là j'ai l'impression que tout le monde est en pause malheureusement. Donc ça sert un peu à rien. Et bien écoutez, en tout cas merci à tous, des bisous, et puis à plus tard, de toute façon je restreamerai après avoir mangé. Des bisous, tchou tchou.